what up les gens. Oula, j'ai oublié de faire un truc complet. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh, ah terrible. Ah oh, c'est terrible. Perdu. Terrible. Terrible cours. Ah, ça commence très mal ce débrief. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir Burgrid, aka le Spielberg des trailers sur F1 2018. Bonsoir Jeff, bonsoir Hydro, comment ça va ce soir? Aujourd'hui on est lundi parce que le Grand Prix du Canada c'était hier soir, du coup on n'a pas pu enchaîner non plus, faut pas déconner. On aime bien dormir. Un petit peu quand même, ouais. Un petit peu quand même. Jeff, ça va, t'es toujours aussi stoïque, hein? Non, ça va, je suis calme. Bon week-end de Raikkonen, il est content. Ah bah ça, ouais, bon week-end de Raikkonen, calmons-nous quand même. Il a rien fait. Ne nous enflammons pas, j'ai envie de dire. Bon, alors, ce soir marque le dernier débrief avant le Grand Prix de France, le dernier débrief de premier tiers de saison 2018, et la fin de la première phase du Hydroprono. Ah là là. Et on en reparlera juste après, évidemment. Bref. Ouais. Au sommaire ce soir, donc on va d'abord débattre des qualifications, puis de la course. La course, je pense que effectivement il s'est pas passé énormément de choses, mais ça forcément, bon bah voilà. Du coup, ça nous permettra d'aller un petit peu plus en profondeur et de revenir un petit peu sur ce début de saison, on va dire, de 2018. Donc ça pourrait être vraiment très très cool. Et puis après ça, on passera donc au hydroprono. Top flop, etc. Hydroprono, évidemment, avec les résultats. Le hydroprono pour le Grand Prix de France, très important. On se retrouvera tous là-bas. Moi, j'y serai à partir de mercredi, je crois. Il me semble que je dois partir le mercredi pour aller là-bas, mais je suis pas sûr. Bref. Mais on sera tous là-bas avec Hydro, Jeff, Burgrid. Il y aura Wallen, il y aura Giggs, il y aura French Devil, incroyable, mais vrai. voilà. Et plein d'autres, évidemment, plein d'autres qui m'ont dit par message privé, etc. Il y aura du monde. Il y aura du monde, voilà. Donc, vous inquiétez pas, je vous ferai d'ailleurs une vidéo explicative sur le Grand Prix de France, sur ce qui va se passer, où est-ce que vous pourriez nous trouver lors des séances d'essais libres, genre de choses, etc., quand on sera sur le circuit. Ça pourrait être intéressant, bref, mais pour l'heure, je vous propose de passer à la qualification. Messieurs, avant de commencer ce débrief, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Non. J'aime bien, à chaque fois tu poses cette question, il n'y a rien à déclarer. Genre. Bah, je sais pas, ça, peut-être que tu as envie de faire une déclaration d'un coup. L'armée d'Hydro est finie, ou je sais pas, tu vois. Ah oui. Non, bah non, mais ça c'est après. Petite pensée à mon armée qui enfin est libérée. Pas pour longtemps, dans deux semaines on y retourne, les gars, on y retourne. C'est ça. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Putain. Jeff, excuse-moi, est-ce que toi tu as quelque chose à déclarer? Alors, avant la qualif, ouais, je trouve que Red Bull a fait des progrès énormes. Parce que au début de saison, Red Bull avait l'air d'être la troisième force du plateau, puis un peu en retrait par rapport à Ferrari et Mercedes. Et là, tu regardes les trois séances d'essai, Verstappen fait promis aux trois séances. Les Red Bull ont l'air bonnes sur un circuit qui normalement devrait moins leur convenir. Donc ouais, je suis agréablement surpris de Red Bull. Bah, je pense qu'on l'est tous autant. Merci à Ludovic So pour le don de 5€. Hello le King, putain, comme c'est bon de vous retrouver les potos. Et bah, ça nous fait très plaisir aussi. Et merci à Océane Arviotti, qui doit être sûrement la copine de Ludovic. Ouais. Salut les gars, petit don pour vous et dédicace à toi des pieds. Vive les Italiens, j'en suis une aussi. Ah, il y a des Italiennes qui nous regardent ce soir, ça fait plaisir. Merci en tout cas, Océane, merci Ludovic. Et bonsoir tout le monde. Voilà, alors, c'est bon, on a fini les déclarations. On passe désormais aux qualifications du Grand Prix du Canada. Les essais, rapidement, ça a tapé un petit peu par-ci, par-là. Il y a eu quelques petites touchettes, mais pas de gros crash. Ah d'accord, merci, okay, vive les combos. Grosjean crash au Castellet, bon débrief à tous, voilà. Putain, va falloir trouver où il va se crasher, hein, parce que... Ah ouais. Il y a des dégagements quand même. Il y a des dégagements partout. Ah, mais alors, ce qui pourrait être drôle, mais ça on en reparlera évidemment, mais ce qui pourrait être drôle, c'est de savoir si effectivement il y aura un gros carton ou pas, si quelqu'un va réussir à toucher le mur au Grand Prix du Castellet. Quel mur? J'ai cru faire un autre type d'humour. J'ai cru que t'allais dire est-ce qu'il y a des marmottes au Castellet. Ah, mais bon. Non, je suis pas dans cet humour-là. Merci Vivi Tango, en tout cas. Bref, la qualification donc, est-ce qu'on peut revenir au Grand Prix du Canada rapidement? Q1, Grosjean part en fumée avant même de quitter les stands. C'est beau.
C'est un génie. C'est un génie incompris, après avoir récupéré une marmotte pendant les essais libres. Certains diront qu'il restait de la marmotte dans le moteur. Oui. Oh, c'est le cheval. Oui, oh oui, putain, le onboard. Sous le... Bah mais t'imagines quand même la malchance incroyable de Grosjean, parce que dans la semaine, t'avais une déclaration de Gunther Steiner qui disait « Bon, les mecs, faut que vous arrêtiez d'aller taper les murs parce qu'on commence à manquer pièces de rechange. » Oh, la marmotte. Allez, hop là. Sur le nouvel aileron avant. Oui, en plus, c'était un nouvel aileron. Pas de bol. Il a quand même raison quand il dit qu'il a un éléphant noir. Genre, il a vraiment pas de chance, le type. Oui. Là, il a vraiment pas de chance. Moi, je commence à vraiment prendre pitié à me dire ce serait bien que... Je sais pas si c'est pas son pire début de saison depuis, depuis le début de sa carrière. Parce que là, on est sur 7 Grands Prix, sur combien d'abandons Australie ? 3. 3, 3 ouais, abandons et une 12e place en meilleur résultat. Et une 12e place, mais... 0 points marqués. Dur. Donc... Ouais. Donc voilà, bon bah écoutez, Grosjean qui part en fumée, qui défend pas ses chances, alors que pourtant il avait quand même du rythme, hein, à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir à Angel, évidemment, qui a rejoint le chat. Ericsson. Bon, Ericsson, il s'est dit que les murs étaient extensibles. La suspension qui casse. À vous le transfert, ouais. À vous le transfert. C'est pas comme Monaco. Monaco, le rail bouge, là, le mur bouge pas. Donc, non, là, le mur, il est en béton, si tu veux. Genre, tu viens lui faire un bisou, il te fait non, c'est mais lui je crois qui pas. Te fait... Ericsson tape. Il a pas bougé non plus. Il a failli rattraper le petit Verstappen qui s'était pas suffisamment écarté. Ça aurait fait un joli strike, ça. Ça aurait fait un tweet de plus pour mon trade, dommage. Oui, parce que là, son trade, il est en pause là pour le coup. Bah, il attend la France, mais je lui fais confiance. Il attend la France. Un truc. Bon, Ericsson tape, du coup, c'est compliqué. Gasly est aussi en dehors de la Q1, malheureusement, à cause notamment de son moteur, je crois. Merci. Me semble-t-il. Oui. Il faut le souligner quand même. Et il n'est pas passé loin de la Q2. Il n'est pas passé loin de la Q2 parce que ça s'est joué à pas grand-chose et c'est le moteur. C'est le moteur principalement, mais il savait que justement, ils allaient avoir du mal. Mais normalement, Honda devait apporter la nouvelle spécification pour le Canada pour qu'il soit plus performant et finalement, ils l'ont retiré. Ils ont dit non, c'était pas possible. Puis ils l'ont mis pour le Grand Prix ensuite pour Gasly, je crois. Voilà, c'est ça. C'est ça, en gros. C'est ça. Ok. Bon, Q1, très bien. Qui passe en Q2 ? Eh bien, Leclerc passe en Q2. Un petit sirotine juste au passage. Hein. Puis les Williams. Voilà, mais oui. Non, mais est-ce qu'on a besoin d'en parler ? Les chiottes mobiles. Ah bah. Chiottes mobiles. Ah d'accord. Ah oui, elles sont blanches. Ouf. Oh, fallait penser ça. Ouf. Après, les Sauber le sont aussi, mais elles sont blanches et rouges. Elles sont blanches et rouges. Regarde le. C'est des chiottes de Sauber. On parle de Leclerc. Non, je touche pas à Sauber. Attends, je pilote Sauber, s'il te plaît. Oh là en plus. En plus. Bon, encore une fois, Leclerc en Q2, incroyable. Quel homme. Et attends, c'est sa combientième ? C'est pas sa quatrième Q2. Quatrième de suite. Ce qui n'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. 2014. Je sais plus qui pilote en 2014. Nasser et Ericsson. Hein. Non, oui, non, 2014, c'était... Oui, c'était En 2014, on pense tout de suite au crash avec Gutiérrez. Non, Gutiérrez, attends, quand elle était grise... Eh ben, Hülkenberg et Gutiérrez. Mais qu'est-ce qu'en 2014 Hülkenberg était chez Force India. Formulix. En 2014 Bien sûr. Bah oui, c'était sa première année chez Force India. Non, c'était sa deuxième. Il était en 2012, Hülkenberg aussi, chez Force India, garçon. En 2013, il est retourné chez Sauber. Adrian Sutil et Esteban Gutiérrez. Ah, Sutil. Oh oui. Le mec. Non, mais les gars. Sutil, est-ce que c'est pas le mec qui... Ah bah... Mais... Le verre. Le verre cassé. Moi, je me souviens de Sutil que pour ça, maintenant. Pour le verre cassé en boîte de nuit. Ouais, en boîte de nuit. Mais il y avait une histoire. Il y avait une histoire. C'est vrai. Voilà. Ah ouais, c'était le pote de Hamilton, en plus, je crois. Oui. Hamilton avait dû du coup aller au tribunal et tout pour témoigner. Oh, l'histoire. Ah, c'était rigolo. Bref, ça pour dire que j'ai une question. Est-ce que c'est Leclerc qui fait des tours de magie avec sa Sauber ou c'est la Sauber qui commence vraiment à être bonne et c'est Ericsson qui est moins bon ? Les deux. Je dirais que effectivement, la Sauber commence à être meilleure et Ericsson est à son vrai jour. Puisque enfin on lui donne une voiture petit peu plus performante, et bien il est pas là.
Bah, ça fait et, une le, bonne. et Leclerc est quand même très impressionnant avec la voiture qu'il a. Ouais. Aussi. Non, clairement, Leclerc, il est ultra impressionnant. Moi, je trouve, enfin, franchement, et on s'était dit en début de saison que ça pouvait être une grosse déception. Ah, c'est moi mais... qui avais dit ça. Ah ouais. Encore une fois, le terme bah, a bien En début de saison, on aurait pu y croire parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Chine, il part en tête à queue, Bahrain, il qui passe pas en tête. Mais c'est l'apprentissage. Tout le monde passe par là. Je pensais pas que ça se ferait aussi vite avec Leclerc. Ah, c'est la génération des jeux vidéo qui s'adapte facilement, on va dire. Leclerc devant les McLaren quand même en Q2. Hein. Bonjour, grand Mimi. Leclerc devant les deux McLaren. Est-ce qu'on parle des McLaren? Est-ce que c'est le moment ou pas? Après, on va dire que je suis un hater. Mais... Non, mais sinon, on peut se réserver pour après, hein, pour les McLaren. Et si la Sauber était meilleure que la McLaren? D'après certains abos, c'est le cas. Et moi, si la McLaren était meilleure que... Bah, sur un tour lancé... Ouais, peut-être, oui. Sur la qualif, oui. Je vous rappelle que le châssis B qu'ils ont amené à Barcelone, c'est pour la course, parce que la qualif n'était châssis. Pas un problème. Le meilleur châssis du plateau. Voilà. Non, c'était pas l'inverse, le châssis n'était pas pour la qualif, justement. Ah, peut-être. Il me semble. Parce que je disais qu'en cours, justement, ça allait... Ah non, peut-être. Alors, peut-être. Pas dans les deux okay, cas, ok, non, peut-être. Ça change rien. Vous avez peut-être raison. Non, mais effectivement. En vrai, là, on rigole, mais c'est triste. Non, oui. Parce que. Non, j'ai plus. Non, je suis désolé. Non, c'est pas triste. C'est bien fait pour leur gueule. Non, mais c'est triste. Non, c'est pas triste. On se foutait de la gueule de Vandoor. Mais là, c'est... même Alonso, il est loin. Genre, même Alonso, il peut non, pas. Non, c'est pas calife, oui. Oui, ça pour ça, oui, c'est sûr. Du coup, genre. On fait quoi? Non, c'est pas triste. Je suis désolé. Un nouveau hater McLaren. Non, je suis pas un hater McLaren, mais je suis pas. Voilà, c'est pas un top team, c'est une merde. On est à une époque où McLaren et Williams ce sont deux équipes légendaires, mais ça. En front de peloton. Bah, légendaire. Lardy aussi était légendaire. Oui, mais c'est deux équipes qui sont là depuis plus longtemps. C'est vrai, Qui sont au fond du gouffre, quoi. Enfin, qui sont au fond du classement, quoi. Ouais. Désolé. Oh, oui, putain. Oh, oui, c'était même. Ça. Quoi? Ah, dites. Alonso à Abu Dhabi. Ah oui, je m'entraîne à faire des donuts pour l'année prochaine. Merci, vive les Kangos. I did some donut practice for next year. Mais oui. Et on se rappelle tous de Now We Can Fight. Fernando, stop the car, please. Oh, c'est terrible. Voilà. C'est... Non, mais c'est. Enfin. C'est tragique, hein. C'est vraiment tragique, quoi. Oui. Ouais. Magnussen, en dehors de la Q3, pour une fois. Alors. Moi, pour passer au As rapidement, on reviendra sur McLaren, ne vous inquiétez pas. Les As, je suis désolé, mais alors, le Monaco, je veux bien, tu vois, ça peut être le circuit qui leur convient pas du tout, pas de problème. Le Canada, c'est censé être un circuit pour eux, quelque part. Oui. Oui et non. Plus pour eux. Le moteur, oui, ils ont un meilleur moteur, après, c'est pas tout. Alors, ils ont apporté... Pas mal d'améliorations. Ouais, si tu regardes, Grosjean était bien placé. Ouais. Alors peut-être que c'est Magnussen qui est un petit peu en retrait. Moi, je pense que c'est Magnussen qui était juste un petit peu en dessous ce week-end. Grosjean avait un bon rythme avant sa panne. Oui, il n'était pas trop dégueu. À voir en France, mais je pense qu'ils seront dans les points en France. Ouais. Ok, c'est noté. Bon, Q3, Ocon mieux que Perez, encore une fois. Est-ce que le petit Esteban est dans la place? Est-ce que le petit Esteban, ça y est, il est lancé là? Bah clairement. Surtout que là, c'est encore pire parce que la moindre erreur, elle coûte super cher là. Ouais. Oui. C'est vraiment genre. L'arrêt au stand. Ouais, par exemple. Ouais. On va en reparler, mais effectivement. Et puis de toute façon, même les qualifs sont extrêmement serrés, je trouve, cette année. C'est clair. C'est à c'est part peut-être un ou deux circuits. Ça reste des groupes, hein, genre t'as le top 6, après le top 6, c'est serré. Ouais, c'est clair. Encore aujourd'hui, enfin hier, avant-hier, t'as pu dire que c'était un top 6. Mais les premiers Grands Prix de la saison, c'était un top 4. Hein. Ouais, clairement. Red Bull a fait d'énormes progrès. Oui, effectivement, les Red Bull, elles ont joué la pole. Ça fait plaisir. En vrai, effectivement, Red Bull, comme tu le disais, Jeff, a fait d'énormes progrès, que ce soit en qualif ou en rythme de course. Même si en rythme de course, avec une bonne stratégie, bah, ça donne une petite victoire à Daniel Ricciardo en Chine, tu vois.
Mais le reste, ouais, effectivement, il y a eu un gros step, je pense. On parle vite fait des qualifs des Renault. Encore une fois, Hülkenberg devant Sainz. Et meilleur des autres. Profite, et meilleur des autres, effectivement. Profite. Important à souligner. Bon, voilà. Voilà. Renault a sa place. À dire, hein. Renault a sa place. Par contre, pour Renault, c'est quand même une méchante fessée par rapport à Red Bull. Parce qu'avec le même moteur, ils se prennent une méchante claque niveau châssis. C'est clair. C'est pas nouveau. Là, c'est... Oui, non, mais là, ça fait très mal, je pense, pour Renault. D'ailleurs, apparemment, Abitbull a gueulé pour le contrat moteur. Ouais. Oh, son interview, il était beau. Encore une fois. Quel discours. Oh là là, je pense qu'on va y revenir, mais qu'est-ce que c'était beau. Mec, comment il s'est foutu de la gueule d'Horner, c'était magnifique. Ah bah mais non, mais comme d'habitude, les deux, ils s'en mettent plein la tronche, quoi. Ouais, Horner, d'après Horner, il manque encore genre 0,5 en qualif sur le moteur. Et je suis d'accord avec Abitbull, c'est pas du tout vrai. Bah, il manque pas 0,5 sur le moteur. Il manque pas 0,5, ça veut dire que les Red Bull, elles sont devant, et en plus, elles sont... Elles ont 0,5 d'avance. Voilà, donc non. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, je vous propose de passer au débrief de la course, messieurs, pour la course. Vous êtes chaud ? Ouais, trop bien. Ah ouais ! Ah ouais ! Le débrief de la course. Bon, alors, on va commencer par le commencement. Brendan Hartley. Et si on commençait par le commencement, Jacques Villeneuve avec la voiture. J'ai failli dire ça, mais effectivement, t'as tout à fait raison. On va commencer avec Jacques Villeneuve. C'était quand même un truc cool. Est-ce qu'on est d'accord que Jacques Villeneuve parle bien trois langues, à savoir anglais, non, plus français canadien, français québécois, français quoi, enfin français. Français et il parle italien aussi. Oui, il parle italien aussi. Oui, bon, mais je parle. C'est surtout pour le français québécois et le français français. Enfin le. Ouais. Il prend l'accent dès qu'il est au micro de quelqu'un. C'était pas mal. Tu le fais bien. Hein, non, tu le fais bien. Je le fais pas mal. Non mais ouais, vous me dites sur le chat, sinon rien. Je ferme ma gueule et puis jusqu'à la fin du débrief vous le faites à deux. Hein, mais. On dit rien, mais tu le fais bien. Non mais c'était cool, vraiment. Genre pour les 40 ans en plus, c'était vraiment bien de voir cette voiture. Après ça allait doucement quoi. Bah, en même temps, faut peut-être la protéger la caisse là parce que voilà. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'il a peut-être pas envie de se la mettre dans le mur et puis faire une stroll, tu vois. Ce serait con. Ouais, en parlant de stroll, est-ce qu'on parle de la tribune ? Oh, j'ai connu. Max P3, enfin week-end solide. Merci Max 10 pour le don. C'est vrai, je l'avais dit la semaine dernière, il y a deux semaines. T'as collé ? Mais il a une tribune à son nom, le con. Eh ouais. Eh oui, comme Daniil Kvyat. Ouais, virage 3 de Sochi. Il avait un minimum de niveau. Ouais. Il a fait un podium. Ah merde. Il a fait deux podiums déjà. Il en a fait un de plus. Ouais. Et il a battu Rico sur une saison. Grand Mimi, Sirotkin va marquer l'histoire de Williams. C'est pas faux. C'est tout à fait faisable. Mais ouais, du coup, on va avoir une tribune Grosjean au Castellet. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait une tribune Gasly, Ocon ou Grosjean ? Ah, prenons les paris. Ça peut être pour le hydro. Déjà, je pense qu'il y aura une tribune d'un pilote, mais genre ancien, je sais pas qui. Mais... Genre une tribune Prost. Je suis désolé. S'il n'y a pas une tribune Prost et qu'il y a une tribune Allez-y, mais alors là, c'est du voilà. C'est possible. C'est possible. En plus, c'est sûr qu'il y aura une tribune Allez-y. Ouais. Parce que c'est là où il a fait ses débuts, machin. Il a fait ses débuts. Il nous survend Allez-y. F3. Son histoire, elle est liée tribune à... Tribune sévère, ouais. Une tribune sévère, je suis pour. Mais elle est plutôt à Watkins Glen, à mon avis, malheureusement. Bref. Mais... À voir, ouais. Non, mais en vrai, je suis sûr qu'il y a une tribune, allez-y. Il y aura... C'est obligé qu'il y ait une tribune, allez-y, mec. Normalement, oui. La tribune de Marion Jules. La tribune... Pas mal, imagine, il y a une tribune Franck Montani, peinte en blanc. Ce serait trop drôle. Ouf. Alors ça, faudra assumer dans deux semaines, s'il te plaît. Ah ouais, non. Tu veux dire, dire en face. Okay. Ah non. Mais non, non. Taisez-vous. Taisez-vous. Non, mais en vrai, je suis sûr qu'il y aura une tribune. Allez-y, presque sûr. Oui. Faites vos paris. C'est là où il a gagné. C'est là où il a fait sa première course, début. Machin et tout. C'est sûr, tu vois. Une tribune Jules Bianchi. Ah! Ce serait un bel hommage. Mais il y en a déjà une à Monaco. Ouais, parce qu'il y en a une à Monaco, du coup, je suis pas sûr. Ah! Bon, écoute. Bref. Bon!
Bref. Dans les graviers, la tribune, allez-y. Ah, merci Johan pour le don. Johan de la Race Clutch. Il n'y a pas de gravier. Il n'y a pas de gravier là-bas. Ou alors, elle est en dehors du circuit sur la piste d'atterrissage. Ouais, c'est ça. C'est le camping. C'est, ouais, c'est le karting, voilà. En fait. C'est, oh là là. Oh, tu sais que le camping, on va faire des bungalows. On va les nommer, tu vois. On va faire le bungalow. Attends, faut trouver des putains. Il faut trouver des purs. On verra ça après. Ça va être rigolo. Bref. On a un débrief à faire. Ouais, mais la course est chiante, on s'en fout. Bref. Donc, on a évacué Jacques Villeneuve avec la voiture de son daron. Cool. On a évacué la tribune Lance Stroll. Il en vient toujours pas, il en peut eu. Bah ouais. Lance Stroll qui ne sera pas passé justement une seule fois devant sa tribune en course, magnifique. Il est passé à pied. C'est magique. La tribune cartiquayant, incroyable. Oh, ah, peut-être au Grand Prix d'Inde, mais il n'y en a plus. Bref. Revenons au départ. Putain. Bon départ d'à peu près tout le monde, sauf de Alonso qui se fait dépasser par Leclerc, très clairement. Puis par tout le monde. Sirotkin qui se fait tasser dans l'herbe, etc. Enfin bref, il s'est fait défoncer par la jeunesse de la Formule 1. Et après, il n'a plus qu'à pleurer. Hein. Donc, pas mal pour une voiture qui a le meilleur châssis de la grille, encore une fois. Vous avez quelque chose à dire sur le départ d'Alonso? Je suis pas mêlé à McLaren et Alonso. Moi. Ah, t'es sérieux? Ah ouais, non, moi c'est bon. Sortez couilles un peu là. Oh non, mais t'inquiète, hein, tout va bien. Oh, mais il est sérieux? Ah, mec, non, mais tout va bien. Hein. Il abandonne tous les trois Grands Prix, ça fait des points pour Leclerc. Je vais très très bien. C'est vrai, ça c'est vrai. Faux, ok, d'accord, donc ça parle pas. Jeff, t'as quand même, toi. Moi, quoi, moi? Parlons. Toi qui aimes les écuries indépendantes, je le rappelle. Allez, hop là, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Non, parce qu'en fait, moi, si tu veux, moi, ce que j'ai retenu du départ, c'est Bottas. Ouais. Bottas. Voilà. Bottas qui défend face à Verstappen. Posé, c'est cool. J'aimerais que Bottas il fasse toute sa saison comme ça parce que la manœuvre elle est belle, elle est propre, elle est couillue. Ouais. Et c'est pas passé loin. Et s'il fait ça toute la saison, et ben le con, et ben il peut jouer le titre. Et ce serait pas démérité. J'ai dit toute la saison. Mec, il a déjà 35 points de retard. Hein, genre. C'est la première fois que je suis Bottas. S'il vous plaît, laissez-moi. 35 points de retard, frérot. Il reste combien de grands prix? Oh, on est là, il reste encore 14. Lui a déjà eu. Attends, Bottas a déjà eu abondant. Bah oui, Bakou. Bah oui. Alors que les deux autres devant, non. Ouais. Attends. Comment ça, non? Enfin, ouais, 8e pour Vettel et Hamilton. Oui, voilà, ils ont des mauvais résultats. Alors qu'on nous annonce une tribune Ferrari à Singapour au premier virage. Ça pas sympa, tout ça. Bref, mais oui, effectivement, Bottas, là, il a... Putain, c'était bon, ça. C'était bon, ouais, ça. Ça aurait pu mal tourner, mais genre, ça a été propre. Verstappen aussi, il aurait pu le faire exprès de le serrer un petit peu ou quoi. Mais là, comme Hamilton. Ouais. Comme un certain Lewis. Tu te souviens les départs avec Rosberg? Oh, je souviens. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, j'ai souviré. Oh là là, les pneus étaient mais pas chauds. En vrai, Verstappen, il aurait pas eu tous ces accidents avant. Il l'aurait fait, hein. Y a pas de... Ah, peut-être, oui. Ah oui, non, parce que là... Après, il était à l'extérieur, donc c'était dur. Déjà, il y a petit contact, apparemment, donc je pense que ça a dû le calmer. Mmh. Ça part en battle de dons à coup de tribune Ferrari, tribune Magnussen au Rédillon de l'eau rouge, c'est pas mal. On est bien. On est pas mal. Tribune. Bon, bref. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut continuer? Allez, trois virages plus tard, que se passe-t-il? Une crevaison imaginaire. Non, Hartley tourne dans Stroll, je le rappelle. Oh putain, c'est magnifique ça. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a deux écuries mythiques qui méritent, mais qu'on leur chie dessus. Mais vraiment. Mais vraiment. Les fans de McLaren quittaient le stream. Ah ouais, non mais je suis désolé, les fans de McLaren, c'est... Ils y sont pour rien, les pauvres. Vous y êtes pour rien, hein, mais... Enfin, voilà, quoi, c'est juste pas possible. Puis Williams, on n'en parle même pas, quoi. C'est... Bon, l'accident. Hartley, Stroll. Comment ça se passe? Est-ce qu'il a eu une crevaison ou pas?
Mais non, juste non. Un... Il non, il la perd, c'est non. tout. Il la perd. La piste, elle est poussiéreuse. Ouais. Comme dit Villeneuve, il met des petits coups d'accélérateur en plein virage. Alors qu'il en... Bah, il la perd. Par contre... Et si on regarde bien toutes les voitures qui passent avant lui, elles sortent hyper large ouais. de ce virage. Et elles sont en manque cruel d'adhérence. Alors, en vrai, passe à deux de front, il perd la voiture. Sur cet accident, je dirais que déjà, c'est un accident de course. Oui. Et oui, bien sûr. Hartley, qu'est-ce que tu fais là? Exactement. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que exactement. Putain, j'ai jamais vu quelqu'un passer ici au premier tour. Non, c'est vrai, je comprends pas pourquoi Hartley y va, parce que même si Kroll ne glisse pas, il a pas la place. Il tape le mur dans tous les cas. Il tape le mur. Ouais, mais ça, il le sait pas, parce qu'il sait pas que la piste, elle est sale à ce point-là, tu vois. Mais je suis désolé, dans ce virage-là, tu peux passer à deux de front. Hein. Normalement, tu passes au virage suivant. Bah, tu fais le freinage, tu passes au virage suivant. Pas sûr. Hein. Tu peux passer à deux de front. Et le truc, ça, c'est mon avis, d'accord. Mais il faut que la piste soit bien. S'il n'y avait pas eu Hartley, Stroll se serait quand même mangé le mur. Oui. Ah, mais ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est con, parce que finalement, Hartley aurait... Bon, c'est dur sur l'instant, tu peux pas réagir. Mais finalement, il aurait ralenti. Tu me diras, il se serait peut-être pris les débris de la voiture de Stroll. Donc finalement. Oh, sûrement. Déjà, le move d'Hartley, déjà de base, il est obligé de couper la petite sorte de chicane qu'ils ont fait juste avant, là, dans l'herbe. Il est obligé de passer dans l'herbe pour suivre Stroll, déjà. C'est pas faux. Donc, c'est pas faux. Tu dis qu'il est mal placé. Il est mal placé. Ce que je dis, c'est que tu peux passer à deux de front. Oui, tu peux. Au premier tour, tu peux le faire. Si la piste n'est pas trop dégueu. Deux mains et deux jambes correctement. Voilà, exactement. Hartley Stroll, c'est sûr que ça allait à la catastrophe, tu vois, au final. Mais c'est sûr que Stroll il la perd, parce que en fait il sait qu'il y a Hartley à côté de lui, du coup il est obligé de mettre un peu plus de braquage et du coup il perd l'arrière. Donc en soi, si Hartley avait pas été là, je suis pas sûr que Stroll l'aurait perdu, enfin en tout cas l'aurait mis dans le mur. Il l'aurait peut-être perdu pour un peu plus loin. Il l'aurait peut-être pas perdu de base, Je suis pas sûr, tu vois, parce que je pense que justement il a dû en faire un peu plus pour défendre, effectivement. Surtout que Stroll encore une fois faisait pas un départ dégueu. Je crois qu'il gagne, il avait encore gagné plusieurs places au départ. Stroll avait fait un bon départ. Et c'est con. C'est con. Petite dédicace à Monsieur Vettel qui a dit Hartley s'est cru dans Rocket League. Oui, absolument. C'est pas mal. Un wall ride, comment on appelle ça? Je sais plus. Ouais, wall ride. Un wall riding, je crois. Oui. Non, wall riding. C'était flippant. Bref, c'était flippant. Surtout quand tu vois le onboard de Hartley avec sa tête. Du coup, il y a eu aussi petit débat, est-ce qu'il a touché le halo ou pas? Heureusement, il y avait le halo. J'ai pas vu. Bah, normalement, il est pas censé pouvoir toucher le halo avec sa tête. Déjà, il a explosé. Comment ça s'appelle en français? Le repose-tête. Le repose-tête, déjà, il l'a explosé. Il y avait un gros trou dans le. Sa tête, c'était une bille de yure. Donc, il a explosé le repose-tête. Et il y avait une question, c'était est-ce qu'il a touché le halo ou pas? Mais non, il a pas touché. Ouais. Mais l'impact est violent. Alors, on est sûr que Stroll joue à la manette pour Grand Mimi. Ça, c'était plutôt une technique clavier. Bah, bien moi, bien. Ça me rappelle Burgrid à Silverstone. Ouh, ça sort les dents. Incroyable. Je suis désolé, c'est la même, moi je m'en souviens. Et il commence, pof, oh l'arrière. Incroyable. Mais alors en vrai, effectivement, j'ai pas fait gaffe, effectivement, au repose-tête de Hartley. Je t'enverrai la vidéo. Mais je regardais. Bah non, t'inquiète pas, je l'ai piraté. Non mais en vrai, effectivement, le choc, moi ça m'a fait beaucoup penser à Dario Franchitti en IndyCar en 2013, me semble-t-il. Je sais plus à quel Grand Prix ils étaient, le dernier de sa carrière. C'est le dernier de sa carrière. Oui, ça c'est sûr, parce qu'il a perdu 5 semaines de mémoire. Dans Long Beach ou un truc dans le genre. Non, c'était pas Long Beach, c'était un autre. Mais je sais plus lequel. Mais c'était en ville. Je vais essayer de trouver ça, mais oui. Et en fait, il a décollé sur la roue arrière d'un mec qui, comme Stroll, a perdu sa voiture. Et en fait, il allait directement dans les grillages et il s'est pris une toupie monumentale. Il a perdu connaissance. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Le bassin, etc. Enfin bref, mets-le dans le chat. Si vous avez vraiment envie de vous faire mal et de regarder quelque chose d'horrible, enfin, du coup, je veux voir. Alors, c'est Détroit, on dit. À Houston. Houston, alors. Effectivement. Effectivement, c'était. Je assez. Un peu, hein, ouais, vas-y. Voilà. Par contre, ça dure 6 minutes.
Oh putain. Ouais, mais t'as le, t'as le. Je pense que t'as le crash au début et après oui, t'as y a tout ce qui masse se passe après. ralenti, voilà, c'est ça. Donc. Oh putain. Mais Bon, non, bref, mais effectivement, la voiture était en c'est morceaux extrêmement flippant. et je voyais une interview de Dario Oui, Franchitti il y a c'est pas dès le longtemps. début. C'est que c'est enfin. C'est après la course, quoi. C'est la course, elle est finie. Non, C'est dans le dernier tour. C'est dans c'est le dans le dernier dernier tour. tour. Mais c'est pas la course n'est pas finie, hein. Ouais, non, mais enfin. Bon, Ah bref, bah ouais, mais ah c'est. bah frérot. La course, c'est pas fini, mec, dans le dernier tour. Hein. Bah Non, c'est parce que IndyCar. les leaders ont fini la course quand il y a eu l'accident. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était le C'est pour dernier tour ça. Donc. pour eux. Bon, bref. Arrêtons d'épiloguer rapidement, mais en gros, si vous voulez tout savoir, Dario Franchitti avait déjà eu plein de crashs dans sa carrière, et là, très Oh clairement, oui. il a énormément de chance. Ils ne savent pas pourquoi il est encore vivant et qu'il est, il arrive encore à se servir de son cerveau. Il le disait lui-même qu'il avait des pertes de mémoire pour des mots, genre de trucs. Il y a des moments où il est hyper, hyper heureux et d'autres moments où il est hyper, hyper triste. Enfin, bon, bref, c'est un calvaire. Oh là 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 là. Alors. Si vous cherchez, si vous êtes sur la vidéo, vous mettez à 2,35, vous avez le crash au ralenti. C'est pas chouette. Voilà. Donc on n'est pas passé loin de la catastrophe pour Hartley, halo ou pas halo d'ailleurs, hein, effectivement, mais voilà. Exactement. Safety car, et après. Et bah, rentrer au stand de Van Dorn. Qui tente une stratégie sauveur, Non, qui apparemment a crevé. qui tente une crevaison et qui n'a pas de chance, et c'est tout. Voilà, c'est ça. Et puis Mais que chez McLaren, ils c'est sont pas pas le seul vraiment à prêts. rentrer au stand quand même. Il y en a, ils sont deux à rentrer, je crois. Il y Ouais, bref. a. Je sais plus qui rentre Il y a alors qu'il y Ericsson a. qui rentre. Ah oh bah oui, Sauber. Et je crois que c'est Sirotkin aussi. Parce que de mémoire, les trois étaient en super soft très tôt dans la course. Donc je pense que Ouais. c'est les trois qui sont arrêtés pendant la safety car. Ça doit être ça. Voilà. Okay. Bon. Et. Suis en train de regarder l'accident. Donc oui, bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. La safety car, elle arrive au début de course. Personne va tenter d'arrêter au stand parce que bah, ça sert à rien. Bah, c'est ça. Donc voilà, finalement, Ah, bon, si. ça fait juste une relance, quoi. C'est Et ça. après, il y a Pérez Carlos Sainz. Oui, Oh, alors ça, on va le reparler. Mais avant fameux. ça, faut souligner quand même que Vettel a Ouais. réussi à bien enrhumer Bottas et que Bottas s'est fait quand même un peu avoir par Vettel Ouais, sur la relance. c'était C'est bien géré. une belle relance de Vettel, mais comme il sait faire, hein, de toute façon. Donc. Bon, alors, Pérez Sainz. Alors, Il faut que je leur vois le truc. la vraie question, c'est qui est en tort? Bah, c'est Sainz. Mais à quel moment Sainz il bouge pas? Mais c'est ça en fait, c'est pour ça que je veux Sainz le il revoir, bouge parce que pas, pour moi, c'est la faute à Pérez. c'est Pérez qui lui tombe dessus, Sainz il tourne pas le volant. C'est ça. Moi, je veux le revoir, parce que pour moi, c'était la Et faute t'as à l'autre Pérez. tacos, il a. Hey, Carlos, what did you do? Hey. What Ça, did you c'est do? Alonso, What ça. did you Ça, do? c'est Alonso l'accent. Mec, enfin, je sais pas, genre. It's Carlos, il a rien fait, il est au a milieu à l'intérieur, il fait rien. Bah, à l'intérieur, il accroche la roue arrière de Pérez quand même. Mais non, il lui tourne Non, dessus. non, non, c'est ça, Bah, il faut bien qu'il c'est prenne le pour virage. moi. Non, arrête, 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 arrête. Allez, 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 quand t'auras ta Voilà. casquette, tu feras plus le malin, là. Voilà. Non, 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 Laissez-moi me non, défouler une dernière là. fois, s'il vous plaît. Ah là là, En plus, Pérez a détruit le tu peux rythme le à barrer. Kevin, j'en ai marre de lui. De grand Mimi, Ouais, ouais. parce qu'en plus, comment il revient, on aurait dit une IA sur F1 Ah 2017, mais j'étais grave. explosé, Mais. j'étais en larmes. Mec, il revient au milieu, tout le C'est. monde le laisse passer, ça repart, ni vu ni connu. Ah, Et j'avoue, du tout le monde coup, ralentit, tu sais, il attend que. Voilà. c'est incroyable. Enfin, Non du mais. coup, le Bon, dépassement d'Alonso est c'est bon. bien rattrapé, Ouais, dans l'affaire. ouais. Mais non, Non mais c'est je bien suis rattrapé. désolé, Sainz, enfin. Mais il fait rien de mal! Mais quoi, Il il fait fait rien de rien. mal? Il accroche Pérez! Mais. Pérez, il est complètement à l'extérieur, on est d'accord. Donc pour toi, Verstappen accroche Vettel à Singapour 2017. Donc, attends, Verstappen accroche. Mais non, parce que Vettel, il est pas à C'est la même l'extérieur chose. complet. Non, mais quand je C'est dis exactement la quand même je dis chose. Pérez. Mais non, mais tellement pas, putain! Quand Pérez, là, au Canada. Yes! Mais non! Oui. Pérez, il est à deux doigts de mettre les roues dans l'herbe, on est d'accord. Mais à quel moment? Il est en plein milieu de la piste, espèce de Mais oui, il est trouble. en plein milieu de la piste, Pérez, il est en plein arrête. milieu de la piste. Ça va, l'autre, on dirait Mais oui, il est en plein Alonso. Ah, ok, bah milieu! faut que je revoie la vidéo. Envoie la Ouais, vidéo tu là. revois. Mais je la cherche! Alors T'inquiète, putain, mais attends. vous faites exprès ou quoi? Bougez pas, la régie de Canal Plus est Reddit, là. c'est compliqué, La il y a régie de beaucoup Canal de Plus est Regarde-moi remontée. ça, mon pote. Putain, Doc. déjà? Attends, je Mets vais te ça dans le mettre ça chat que moi. tout le monde puisse voir.
Bougez pas, je vous mets le timer. Allez, hop là, il met le timer et tout. Ah, ça, c'est, ça, c'est du professionnalisme. Oh, le bâtard. Attends, je vais mettre les lunettes pour bien voir. Attends, fais voir. Oh, ouais, non, celui-là, moi, j'ai rien du tout. Quoi, la régie, je l'ai, mais je peux pas, je peux pas envoyer. Terrible, Régie TV Montblanc. Oh là là, c'est Perez à 100% pour Max 10. Oh là là, la faute à Perez. Oh merde. Non, si, c'est... Ah, qu'est-ce voilà, qu'il fait là. Allez, mais balancez le lien là. J'ai pas mis deux sur le compte. Attends, mais attends, sur, attends, mais sur le chat, toi, mais qu'est-ce qu'il fait ce débile? J'ai voilà. pas mis du chat. Putain, ah, j'arrive pas à cliquer. Voilà. Alors attends, fais voir un petit peu. Non, c'est à 1,58, y a pas débat, y a pas débat. Non, y a pas débat. Y a rien du tout. Y a absolument pas débat. Black flag, ouais, ouais, black flag sur Mario Kart peut-être, mais pas en vrai. Mais au milieu de la piste, ouais, incident de course les frérots. Arrête. Incident de course les frérots. Ah oui, ah oui, y a rien eu. Y a rien eu. Y a pas eu de sanction. Y a pas de drapeau officiel alors. De quoi? Ah, on s'en fout. Mais non, mais je te rappelle que Chili voulait un drapeau noir quand même. Chili? Oui. Bah, Chili? Bah, non, c'est Checo. Hein. Non, Chili. Non, c'est ah, Checo. Non, Chili, c'est Carlos, merde. Ah oui. Non, oh, c'est Paella. Oh, putain, le Formule X! Mais non, Paella, c'est Alonso. Paella, c'est Alonso. Ah, mais merde, non, c'est... Oh, il y a trop de trucs. Il y a Chili, trop de surnoms incroyables. Il y a trop de bouffe. Tacos! Tacos. Tacos, voilà. Voilà, tacos, tacos. Non, mais... Ok, ok. Non, bah, accident de course. Non, mais effectivement, non, mais, c'est... Non, mais non, okay, okay, okay. C'est quand même du 50-50, je trouve, parce que, bon... Oui, oui, ça reste, voilà, un incident de course, mais de là à crier un drapeau noir... Non, bah non, mais quand un drapeau noir, le... Non, mais le taco, non, ça a encore une fois fumé sa race, comme d'habitude, tu vois, ça, c'est pas... Ça, on est d'accord là-dessus. Non, mais l'autre, il a fait griller le burrito, cet abruti, là. Bon. Qu'est-ce qui s'est après, passé ensuite? Parce qu'après, il y a eu un jeu de stratégie, quand même, où... C'est vrai que, ouais, ça a tenté l'undercut et au final ceux qui étaient en tête on se sont dit bah non pour l'instant ça roule aussi bien que les pneus neufs. Ça roulait même mieux en fait. Voire mieux. Et à un moment donné on s'est dit peut-être que Raikkonen il va réussir à sauter les deux Red Bull et Ferrari. Hamilton. Ferrari. Et ils ont trop attendu. En fait. Non. C'est ça. Il pouvait sauter que Hamilton parce que Hamilton avait l'air pas dans le rythme. Ouais. Il s'était fait larguer par Ricciardo et t'avais l'impression que qu'il avait perdu un peu de motivation en plein milieu de Grand Prix. Ouais. Mais Raikkonen en fait fallait pas déconner, il pouvait pas aller chercher les Red Bull parce que tu regardais l'écart avec Verstappen. En fait l'écart il stagnait. Ouais. Verstappen rattrape mais très lentement en fait. Ouais, mais le truc c'est que il y a eu un tour de trop où en fait Raikkonen arrivait à faire un tour rapide et puis plus rien après. Pendant 2-3 tours, il plus de rythme. Ouais, donc c'est ça qui en fait dans son tour de rentrée, genre les deux tours qu'il fait avant de rentrer, il améliore et son tour de rentrée justement, il est plus lent que Verstappen et Ricciardo. Et du coup, c'est là où en fait, il ressort juste derrière Hamilton parce qu'en plus Hamilton avait du trafic. Bah, si tu le faisais rentrer un tour avant, il ressortait devant Lewis. C'est ça. Ouais. C'est ça. Petite erreur. Bon, en vrai, je sais pas. Après, peut-être que Raikkonen a fait une erreur lui aussi. Mais... Peut-être. Ça ne doit pas grand-chose. Oui. C'est dommage. C'était bien tenté, en tout cas, pour une fois. La Ferrari, ils ont fait du bon taf. Genre. Bah, en termes de stratégie, ouais, c'est clair. Ouais. Et il y a Esteban Ocon. Alors, il faut qu'on en parle aussi d'Esteban Ocon qui perd les deux places sur les Renault à cause de son arrêt au stand, alors qu'il aurait dû finir septième, être le meilleur des autres. Bah, vu qu'il a quand même fini après, genre c'est quand même tendu. Mais... En tout cas, il se serait battu. Il aurait dû. Frérot, voilà. Attends. En fait, tu sais pas. Hein. Ce qui est sûr, c'est que s'il a enrhumé les deux foiré, Renault, il n'y aurait pas eu l'arrêt foiré, il ne se serait jamais retrouvé bloqué à ce point. Ah ouais, derrière Grosjean. Je pense, enfin, je sais pas, parce que. Bah, s'il avait pas loupé l'arrêt, il aurait eu les Renault au cul. C'est-à-dire que Grosjean, il aurait bloqué tout le monde. Donc, bon. Ça aurait clairement Fait une course très différente. Ouais, ça aurait fait une course différente. Mais après, comment il l'a passé Ocon Hülkenberg dans les premiers tours? Il était devant. Au départ? Je crois que c'est au départ qu'il le passe. Après la safety car, il était devant, il me semble. Ouais, je crois donc, qu'au départ. Ça devait être au départ. C'est au départ qu'il l'a passé. Dites-nous dans le chat comment Ocon a réussi à passer Hülkenberg. Je me souviens plus, putain, merde. J'ai pas fait pour attention. Pour moi, c'était au départ que Ocon. C'était, non? Peut-être, ouais. Bon, ok. Mais virage 4. 4 apparemment. Virage 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Bah là où il y a le crash en fait quoi. Ouais, c'est ça. À peu près.
Ouais. Mais ouais, effectivement, donc juste devant le crash. Ok, d'accord. Comme Hartley sur Stroll, Après, on nous dit. Donc effectivement, tu vois. je sais pas, peut-être. Ouais, Comme bah, c'est ce quoi. que je disais, fallait avoir deux mains et deux pieds. Voilà, exactement. Il suffit de pas grand-chose pour réussir un Hartley, dépassement, hein. Hartley et Stroll non pas. Voilà, exactement. Quoi d'autre? Oui, l'incident Grosjean Ocon, du coup. Alors, Ah, en vrai, t'as l'incident Ocon-Grosjean et Grosjean-Ocon. alors, Parce là. que t'as deux fois, et t'as exactement deux fois la même manœuvre, mais avec l'ordre inversé. Oui, effectivement. Non, mais que Parce Grosjean, que. alors, Grosjean, il revient sur la piste la première fois, là, pour défendre sa position, il se met à l'intérieur, puis il revient un petit peu sur la piste. Eh ben, Ocon fait exactement pareil. Ouais, absolument. C'est à la Et la différence que seule différence, Grosjean. c'est que Grosjean, cette tête de con, au lieu de lever le pied et d'attendre que Ocon prenne son virage, il a dit, oh, je veux passer, du coup, il passe dans l'herbe. Voilà. Parce qu'il avait fait, si on regarde le onboard, il a fait exactement pareil à Ocon, je sais pas, 10 tours avant, je Ouais, crois. non, mais c'est ça. Donc, je peux comprendre que Grosjean espionne, mais ça va, quoi. Après, ouais, après, Non, oui, pour. voilà, c'est ça. En vrai, Bon. Ocon a tout dit. Hein. Tu t'es pas à la même course, tu bloques pendant je sais pas combien de Ouais, c'est tours. ça. Oui. Ah, mais ça, on est Arrête. d'accord. Là, Grosjean Non, est. et puis même, en fait, dans le cas d'Ocon, tu vas pas te dire, ah, bah, c'est le tour où Grosjean, il rentre au stand, il faut que je lui laisse la place. Ouais, c'est ça, En en fait, fait. tu vois, Bah, il est c'est-à-dire pas que au courant, tu vois. Oui, lui en voit son plus. dépassement, il le passe, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il se remet devant, comme ça, bah, il empêche Et Grosjean de pouvoir porter une attaque derrière. il est dans son droit. Une fois que tu as dépassé la voiture, tu peux te remettre devant elle, hein. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Ça, Ça, c'est là, il l'a important. passé clairement, c'est Il peut pas. pas le savoir que si Romain entre au stand, hein, il n'y a pas marqué. Hein, donc, Parce que autant quand Grosjean se rabat, là, c'est pas bon parce que effectivement on est sur une tentative de dépassement encore et que Ocon est vraiment pas loin. Mais là, quand Ocon il dépasse Grosjean, il lui met une pique, quoi. Genre, enfin, Grosjean, il est loin, tu vois. Donc après, il se met dans l'herbe. Bon, bah voilà. Est-ce qu'on peut parler rapidos de WTF1 qui d'un coup ne perd pas une miette pour insulter, enfin insulter, Est-ce qu'on parle vraiment d'eux? Je pense pas, pour merci. bâcher Romain Non, ça Grosjean, bon. va. C'est bon. Ou Ah pour bon. choper les tweets Ou des pour ça, autres, pour recopier les tweets. ouais. Ah, bonne question de Ludovic. Est-ce que vous comptez lui dire ce que vous pensez à Romain Grosjean au Castellet? Oui. Non. Qu'il a fait un travail. Bah, si, clairement. Si tu le vois, tu lui dis, bah, t'as fait un mauvais début de saison, t'as pas eu de chance, il faut que tu fasses mieux, c'est tout. Ah ouais, je pensais que Ah t'allais bah. l'insulter, moi. Non, je vais pas l'insulter. Ah ouais. Tu lui dis, tu Non, peux lui dire, hein. Je pense que non. Non, mais t'inquiète pas, il y en ouais. a, ils l'ont déjà fait, que c'est pas grave. Caresse dans le sens du poil, t'inquiète. C'est pas un Oui. secret qu'il a fait une mauvaise saison non plus, hein, je Non, mais pense. tout le monde est au courant, tout le monde sait. Et maintenant, moi, ce que je me disais avant le départ du Grand Prix du Canada, c'est que je me disais, il a, ça y est, avec le moteur cassé en qualif, il est dans le creux de la vague. Maintenant, il peut que remonter, tu vois. Je pense. Oui. J'espère au Castellet, ça va être bon parce que, ouais. Maintenant, Si en France, avoir un coup, il. voilà quoi. C'est. Est-ce que à Barcelone, est-ce que quand ça s'appelle les A, c'était rapide? Ouais, moyen. Magnussen, bah si. 7-8. Magnussen était. Bah, vous avez fait quoi, 7-8? Bah, Non, non, Magnussen en Grosjean course, était il était tout en seul. course, je Il était parle. tout seul meilleur des Il était autres. combien? Meilleur Ah, des il a autres? Ah merde. fini. Ah Ouais. ouais? Je croyais qu'il était Magnussen, je crois qu'il 7-8. fait. Je crois qu'il fait P7 et tout seul. Bah ouais. Tout D'accord. seul, loin devant les autres. Donc. Ok, d'accord. Donc, avec les nouveaux pneus, théoriquement, la As Oh devrait putain. être la meilleure des autres. Bah non, c'est l'inverse. Ah. Si tu suis la logique, ils sont comme Ferrari, c'est l'inverse du coup. Bah non. Bah ouais, sauf que bah non, parce que Ah oui, finalement c'est en Bahreïn, ouais. Espagne Pas ils étaient bons, mal trop. marché. Ouais. Ouais. Non, ils étaient bons hein, en Je Espagne. sais Donc pas, on verra. À voir, pourquoi pas. bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça s'est fait. Alors, est-ce qu'on parle maintenant un petit peu du rythme entre les équipes top 3 et le reste du peloton P7, P8? Il y a un gouffre quoi. Il est pas Il y a un nouveau, trou. hein. Ouais, mais C'est. là, il est quand même ultra On flagrant. l'avait jamais vu comme ça, quoi. Ouais. Cette saison, non, mais Jamais Espagne vu comme ça. 2017, hein. C'était Ouais, pareil, mais hein. voilà, 2010, enfin, C'était tu. pareil. Non, mais Normalement, c'est un pareil. an, en un an, Non. t'es censé réduire les écarts. Surtout Les pas. filles qui sont Surtout pas. derrière, elles Bien sont sûr censées que réduire si. l'écart. C'est le Oui, mais but, non. normalement, je Oui, suis mais non. désolé. Tout le monde avance. Tout le Hey, monde tu t'appelles avance. McLaren, t'es censé réduire l'écart. Ouais! Hein? Ah Mais tu ouais! t'appelles Bon. McLaren, t'es censé finir la course. Oh. Non! Déjà. Non! 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 Non. Non, Mais mais non, mais. donc Enfin, voilà quoi. l'écart, il est C'est pas abyssal. nouveau. Il est Alors abyssal. après, j'en profite juste vite fait avec le chat parce que je Ouais, vois vas-y. 2008 me manque. Ah, 2008, c'était deux contre deux. Revoyez
revoyez 2008. Parce que 2008, c'est McLaren, Ferrari, il n'y a personne avec eux. Il n'y a absolument personne. 2008 est chiant comme année à suivre. Non, elle est sympa comme année à suivre. Quand tu regardes la bataille interposée entre Hamilton et Massa au championnat. C'est ça, mais c'est une lutte à distance, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune lutte en piste. Non, il y a aucune lutte. 2008, c'était pas fou. 2008, c'était pas fou, quoi. Non. 2012, oh là, bah, on est loin. Là. Même en vrai, quand tu repenses, sans parler de 2012, des années 2000, je sais pas, 9, non, peut-être pas 9, 10 à 13, t'avais le top 10, tu pouvais pas prédire le top 10. Parce que t'avais Lotus, t'avais Mercedes, Red Bull, Ferrari. Wow, wow. Et 2011, tu pouvais prévoir que les Red Bull étaient devant. Oui, non, ouais, tu pouvais ça, prévoir que Red Bull était 2013 devant. Aussi, hein. 2013 aussi, à partir du changement. Oui, 2012, je dis pas. 2012, c'est bien. En fait, t'avais 5 équipes qui se battaient ensemble. Là, t'en as plus 3. Voilà. Ça, c'est bien. Et encore, on a de la chance parce qu'il y a 2 ans, il n'y avait qu'une seule équipe. C'est vrai. Donc. Ouais. Voilà. Bon. On fait le top flop ou vous avez d'autres trucs à dire sur le. Bah, en vrai, il y a quoi à dire ? C'est tout. Ah, si, il y a la copine d'Alewis qui a. Oui. Ah voilà. Ouais, c'est, mais alors elle. Mais bah, alors. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Bah ouais, mais tu demandes pas une célébrité de faire ça, quoi. Bah alors, en vrai, Waiting, je sais pas si c'est vrai ce qu'il a expliqué, mais il a expliqué, je crois, sur Autosport, qu'en gros, il y avait l'appel du mec au truc de contrôle, ils disent « oui, tu peux faire le flag », sauf que le mec, il lui a dit « vas-y, fais le flag », sauf que c'était pas Vettel, c'était Raikkonen qui arrivait. Ah, le pfff. Et voilà. Oh là là. Voilà. Et bon. Donc, du coup, ouais, bah, la course, ils l'ont arrêté tour 68 au lieu du 70. Ils ont volé le meilleur tour de Ricardo. Oui. Ricardo qui avait fait le meilleur tour en course dans le dernier tour. Et sauf que vu que le drapeau d'Amiens a été agité un tour trop tôt, et ben il compte pas le 70e. Donc, Ah ouais ? Ah ouais, oui. Non, la course, elle est notée 69 sur 69 du coup. 68. 68 même. Non. Si, je te promets. Je te promets. Ils arrêtent à 68. Okay. Je crois que c'est 69. Mais. J'ai les résultats en face 68. Bah, Ricardo, du coup, quand il voit, il a la Sky. Quand il voit qu'il a pas le meilleur tour, il tire une tronche. Oui. Ah bon ? Oh, il y a le rire de Hawkins derrière. Ouais, il y a le rire du... Tu l'as vu ? Ouais. Il y a le rire, en fait, le mec qui est derrière avec son sac à dos et son short, c'est Dan Hawkins, qui est le fondateur de l'Apex Online Racing, qui est la plus grande ligue au monde sur tout plein de jeux différents, mais qui est très très connu sur F1 2000, sur F1. Et qui d'ailleurs aujourd'hui travaille chez Codemasters justement pour les F1 Esports Series. Je le porte pas dans mon cœur, on va dire. Bref. Il fait partie du cercle, c'est pour ça. Disons qu'il fait partie du cercle et disons que d'un point de vue professionnalisme, c'est des Anglais, quoi, hein, visiblement. On dirait que c'est comme des Français, ça se la touche vénère aux 35 heures, pépère. Pas de meilleur tour pour Vettel. Ouais, non, il a pas fait la trick, Vettel, il a fait Paul. Non. Mais je pense qu'il a fait tous les tours menés. Il a ramené la voiture à la maison, il a pris 25 points, merci, au revoir, quoi. Donc, très bien. On fait le top flop ou pas ? C'est parti. C'est parti. Ferrari, on fait par écurie, hein. Ouais. Ferrari, top. Ferrari, top. 1 et 6 avec Vettel et Raikkonen. Top. Top pour Ferrari. Top pour Ferrari, rien à dire. Valtteri Bottas, Mercedes, on va dire. Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton, 2 et 5. Top ou flop ? Flop. Ah, flop. Flop, sans parler que du week-end. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense savoir où est-ce que tu vas. Vas-y, va jusqu'au bout. Alors, de 1, ils n'ont pas eu leur amélioration moteur pour toutes les équipes Mercedes. Ouais. Donc de 1, il y a ça. De 2, Hamilton, il a pas fait une bonne qualif, certes, mais la voiture qu'il a eu en course, elle était loin d'être au top. Et de 3, est-ce que c'est la voiture ou est-ce que c'est le pilote ? Parce que Bottas fait apparemment, il y avait la voiture un peu aussi. Ah oui, il avait des problèmes de puissance, effectivement. Il y a toujours ce facteur avec Hamilton, quand ça va pas, quand la voiture a un problème, il a toujours du mal. Là, ça allait vraiment pas. Non, c'est vrai. Ouais, absolument. Il y avait des coupures moteurs au début de la course. Ensuite, il y avait des surchauffes. Ils ont essayé de solver ça, mais c'est pas passé. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Après, il a fait 7 grands prix avec le même moteur, Hamilton. Il a fait 7 grands prix. C'est le dernier.
Ce que personne n'a fait sur la grille. Même Bottas, il a changé des pièces. En ah ouais, au KLM. Pour ça qu'à la fin, c'était mode 1, strat 1, fait top laise. Mode oui, quali. Ouais, Peter, de toute façon, il va être claqué. Ouais. Donc, c'est ça. Vas-y, donc c'est pour ça, Mercedes, c'est un peu flop. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Se faire battre par Red Bull sur un circuit comme le Canada, ça la fout mal. Ça, c'est pas top. Hein. Bah, en fait, moi, je vais mettre un flop aussi pour Mercedes parce que typiquement, Monaco, c'était pas pour eux. Ouais, mais du coup, le Canada, faut revenir dessus, quoi. Et là, c'est un flop, tu vois. Après, dans la dynamique de la saison, pour moi, c'est un flop. On va dire. C'est oui et non, en fait. Parce que Ferrari a apporté une amélioration moteur pour le Canada. Ouais, donc vrai, ça a bien marché pour Vettel, puisqu'il gagne la course. Non, c'est vrai. Ouais, et finalement, Mercedes, en fait, ils ont dit, OK, on le fait pas maintenant. On va l'amener pour le Grand Prix de France. Ce qui fait qu'ils vont avoir un Grand Prix de décalage. Donc ils vont avoir un moteur neuf avec un grand prix de décalage, ce qui veut dire que normalement, en plus avec les pneus, les Mercedes, elles gagnent sans aucun problème la course. Ouais, ça c'est sûr. Et alors en plus ça, derrière, ça va. Oui, bien sûr. Je reste extrêmement parce que ce que beaucoup de gens pensent du coup avec les pneus, c'est que le moteur Mercedes va être extrêmement avantagé. Ça reste à voir parce qu'on sera très très loin des conditions du Grand Prix d'Espagne où c'était froid et personne ne connaissait les pneus. Là, ils savent ce que c'est déjà. Donc tu peux améliorer ta voiture en fonction. Et de deux, il fera super chaud, mon avis, au Castellet. Ou alors il pleuvra des cordes. Oh putain, oh, non. Oh non, pas la pluie. C'est s'il pleut, c'est l'orage. Hein. Ah, c'est bah, l'orage, ça, hein, ça c'est sûr. C'est drapeau rouge, ça roule pas. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah mais alors là, comment je vais gueuler remboursé partout, mec. Ah oui. S'il y a départ arrêté sous la pluie. Ah ça va déjà, être gueulerie. La première fois. Ce serait la première fois. Ça va être gueulerie. Jamais eu ça. Tu seras au premier plan. Ah oui, oui. Tu pourras être le mec qui crie ou qui pleure. Ah, c'est voilà. Ça. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des jeunes, n'hésitez pas à pleurer au Grand Prix si vous voulez rencontrer votre star. Je le rappelle, hein, petit Thomas qui nous a bien porté la poisse en Espagne. Voilà. Faites pareil. Merci Speedy NC pour le petit don. Message. C'est ton moment. C'est ton moment. Ok. Les Red Bull, top ou flop? Top. Ouais, c'est indiscutable. Top, ouais. Et un sur-top à Max Verstappen qui a fait aucune erreur ce week-end. Non, surtout pas. Parce que ça, je l'attendais et je le voyais venir. Top. Du coup, je l'ai préparé. Ouais. Comment tu peux dire un sur-top à un mec qui fait un podium avec une voiture qui est largement capable de faire un podium? C'est ce qu'il doit faire, en fait. On est tellement habitué au crash et au truc que là, on est impressionné d'un podium de Verstappen. Bah... normalement, il devrait y avoir et Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen devant les deux Red Bull. Ouais, non, mais... bah, la régulière, normalement, c'est ça. Ça peut pas doubler, mais tu vois bien que ça peut pas doubler. Mais ça peut pas doubler, gros, il y a trois zones de DRS. Ricardo, il aurait pu le doubler 300 000 fois à Red Bull. Ils ont fait non, vous le faites rentrer après, hein. On va pas le faire ça. Et du coup, ils ont laissé Ricardo derrière, c'est tout. Verstappen, il fait le taf, c'est tout. C'est pas un super méga top, c'est top. Ce qu'il doit faire, sur l'ensemble du. Sur l'ensemble du week-end, il a tout aligné, je suis désolé. Ouais, et c'est là, FP1, FP2, FP3 devant. Mais qualif, bon, bah voilà. En fait, justement, c'est presque dommage en ayant gagné. Il est payé pour ça, j'ai envie de te dire. 2 et 3, où tu te dis les Red Bull peuvent gagner la course, parce que finalement, il fait que 3ème. C'est... oh là là. Non, c'est un bon Grand Prix, mais en fait, tu te demandes presque. Et si finalement, ils n'auraient pas pu faire un tout petit peu mieux? Tu vois, vu qu'ils ont dominé les essais libres, tu te dis, et si finalement Red Bull aurait pas pris cette saison aussi, il faut se méfier, c'est qu'avec trois moteurs par saison, Mercedes et Ferrari, ils l'ont vite compris, et en essais, les moteurs, ils sont extrêmement bas. Oui. Quand tu vois Ferrari, qui tous les Grands Prix, c'est pareil, Ferrari qui passe de 9-8 à 1-2 du jour au lendemain, c'est pas un claquement de doigts, hein, c'est juste un moteur qui tourne. Ouais, bon, donc, ok. Les séances d'essais, ça... Et Raikkonen, ça le surprend à chaque fois. Ça. Qu'est-ce qui surprend Raikkonen aussi? Bon, les Renault 7 et 8, Hülkenberg et Sainz, top ou flop? Eh ben, c'est top pour eux. Ouais. Après, d'un point de vue extérieur, ça fait mal. Hein. Comme il disait Jeff, quoi, vu l'écart avec Red Bull. C'est ça. C'est une bif. C'est dur. Pitbull appréciera la mention. Ah, voilà. Bah écoute, tu iras lui dire en direct au Grand Prix de France, Jeff. Ah, c'est-à-dire que j'ai pas trop envie de rentrer dans un combat de boxe. Ça ira. Non mais c'est un top pour eux concernant leur objectif pour l'instant, parce que voilà. En plus, 7-8, c'est du coup les deux meilleurs, en fait. Oui. Ouais.
C'est les deux meilleurs. Donc, ouais. Maintenant, effectivement, d'un point de vue châssis, bah, il n'y a personne, quoi, chez Viry-Châtillon, enfin, à Enstone, en tout cas, plutôt. Alors, à Skip, je dis bien à Skip, il y avait des grosses améliorations et c'est ça qui a fait la diff avec le reste. À Ouais, Skip. enfin, bon, d'accord, mais ouais. Enfin, d'ici Je sais la fin de pas. saison, faut que Après. Renault soit revenu, entre guillemets, presque à hauteur de Red Bull, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, Jamais, mais toi, mais bah, tu non, sais mais comme. pour qu'ils remplissent C'est leurs comme objectifs de 2019. McLaren. Alors, on en reviendra après, mais Non, 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 mais mais jamais tu m'entends parler. attends, mais attends, je dis pas Mais ça qu'ils vont le faire. Je t'allais. dis qu'ils doivent faire ça Pour le. s'ils Oui, pour veulent leur qu'en programme. 2019, ils puissent justement gagner C'était 19 une. ou 20? Je sais plus si c'était Non, pas 20. 2019, on fait des podiums. Ou même 2018, je crois, me semble-t-il. Et 2019-2020, on joue le championnat. Parce qu'un podium, ça peut aller très vite, on l'a vu à Bakou. Jeff, espèce de petit con. Bref. J'ai rien fait. On se Je t'ai vu calme. dans le chat. Bon. Renault, donc on dit plutôt top. Top pour eux, mais ils se prennent une quenelle par Red Bull. Ok. On reparlera d'ailleurs l'affaire Renault-Red Bull juste après. Ouais. Esteban Ocon, donc Force India, P9 et P14. P14. Ouh là là. Non, Force India en elle-même, c'est top. L'équipe. Enfin, Ouais, c'est parce top. que c'est la deuxième meilleure des autres. Bah, en qualif, ils étaient au même niveau que Renault. Ils Ouais. étaient 8 et 10 ou 9 et 10, je sais plus. Ouais, c'était en. Non, non, ils étaient croisés avec les Renault. Ouais, ils Donc, étaient ils 8 et étaient 10. 7, 8, 8, 8 et 10. 10. 8 et Ouais. 10. Ok. Ah, Bof. Mais pas mal de ça fait bof, bof et ouais. flop, hein, quand Le même. bof peut tomber aussi, ouais. Après, Bah, voilà, Perez, en fait, bah justement, l'incident ouais, c'est ça. avec Sainz, après, il bousille ses pneus, il est obligé de rentrer Ouais, assez c'est. Ouais. tôt, et après, bah voilà, il se retrouve coincé, et bon, Je pas pense que étonnant qu'il finisse ça lui 14e. compromet une belle course à Sainz. Oui, À bah ça lui compromet Perez. les points, sans doute. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Après, aussi, tu peux prendre en compte, c'est aussi l'amélioration de Force India par rapport à Bahreïn ou à Bakou. Ah Là, ils sont oui. vraiment revenus, hein. Ouais, Oui. enfin. Peut-être pas au niveau de Renault encore, mais ils Non, peuvent non, mais ils marquer sont des revenus. points sans problème. Ouais. Donc, Sauber. P10 pour Charles Leclerc. top. C'est le mec qui Marcus porte. Ericsson, Le mec qui P15. porte l'équipe. Sac cadeau, sac cadeau. Non, mais c'est vrai, C'est enfin, ça, voilà, t'es obligé de dire top, quoi. hein. La défense face à Alonso. Oh yo, comment il était Là, là. ouais, ah Supplé, ouais. Ah supplé, ouais, c'est ah propre. ouais. Ça, c'est beau. C'est Donc très voilà. propre. Il se fait Leclerc se fait avoir à cause de la stratégie. C'est à ce moment-là seulement qu'il se fait passer par Alonso. Ouais, Ouais, C'est à sur la le stand, c'est à effectivement. l'arrêt au stand. Ouais. Donc Sur le box. non. Non, non, c'est Bah, un. rien à dire. Bon bah Ericsson, bah il fait le Attends, taf. attends, Il finit attention. quand même Pas vu. alors, Fini non, devant Van Dorn. ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est ça. J'ai pas vu, moi, il a fini où Ericsson? Ericsson, il finit P15 devant Van Dorn. Ah Voilà, mais c'est pour Van ça. Damme, il rentre au premier tour. Non mais Van Damme, c'est pas tu comptes pas Van Damme. Tu Mais bah, comment ça, tu comptes pas Van Dorn? il rentre au premier Et tour. alors? Ericsson aussi. Perez, on lui a foutu Ericsson la. aussi. Ericsson aussi, hein. C'est pour ça. Ericsson, il rentre en même temps. Donc, frère. Ah ouais, non, mais Donc frérot, moi je veux bien qu'on défende Stoffel Vandoorne, tout ce que voilà. tu veux. Il a pissé sur le GP2 pendant son année, machin truc. Ok, pas de problème, hein. Bah ouais, Mais voilà. aujourd'hui, bah, désolé, frérot, mais il est pas là, hein. On va dire Mac à la poubelle maintenant. Bah. Voilà, hein. Parce que là, ouais. P11, Pierre Gasly, Toro Rosso avec Brendan Hartley, RF. Last to P11. Ça Last va. to P11. Avec Avec le le nouveau nouveau moteur moteur. Honda, important C'est de propre. souligner. Il aurait pu en plus sortir. Non, si, c'est top. C'est top. Ils avaient en Pour plus. En Hartley, vrai. meilleur qualif, je crois Ouais, aussi. Hartley fait Ouais. une bonne qualif en plus. Donc, du coup, c'est top aussi pour Honda. Ouais. Ouais. Qui en Sur un plus a circuit. impressionné Red Bull, mais je pense qu'on va en parler après. Ouais, absolument. Papa, les deux As, 12 et 13. Romain Grosjean devant Kevin Magnussen quand même. Flop. Flop. Bah. Ouais, flop. Flop, flop, flop. Flop, J'utiliserai même pas de flop. bof aujourd'hui, Avec des tiens. grosses Ouais, la même. améliorations, Il n'y aura pas de bof. ils sont pas Incroyable. dans les points. Grosjean démarre en dernier, Ouais. qui lui avait pas foiré sa qualif. Ouais. Ouais. Magnussen, il était absent pendant tout le. Je sais pas Voilà, si tout le week-end, quoi. ouais, Il était pas là, dommage. quoi. C'était. Donc, ouais, non, plutôt un flop hein, pour les As, moi, je trouve, perso. Mais, ouais. Force India, on a fait Sauber, on a fait McLaren. Ah, bah oui, McLaren, on n'a pas fait, effectivement. McLaren. Là, il y a une belle lutte, là.
McLaren, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Comment tu... Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un troll ou est-ce que c'est un flop? Moi, je dis, en vrai, on devrait faire un award pour l'équipe la plus nulle du week-end. Et ça serait tout le temps McLaren-Williams. C'est voilà, ça. C'est ça. Là, la vraie question, c'est est-ce que McLaren a été plus nul que Williams? Non. Ah bah, c'est... c'est bah c'est, non. C'est... Oh, deux non, points non, non. Non, Williams, c'est pire. Ah, alors, est-ce que Williams... Alors... On va jouer sur les mots. Est-ce que Williams, la voiture, est pire que la voiture McLaren ou est-ce que le duo de pilotes McLaren est meilleur que le duo de pilotes Williams? La performance de la voiture est pire sur ce week-end. Ma question, c'est si tu mets Alonso Van Damme chez Williams et que tu mets Lance Crash et Siro de pomme, là, si tu les mets chez McLaren, est-ce qu'ils sont quand même devant? Non, il y a trop d'écart. Ah, trop d'écart entre les pilotes. Ah ouais? C'est ça, parce qu'on juge Williams, bon. C'est bien beau, mais il ne faut pas oublier qui conduit derrière. Ah, c'est clair. On a Homer et Bart Simpson, quand même. Ah, le c'est limite, hein. Oh là là. Il y a deux semaines, on disait que Sirotkin avait fait une belle perf. Parce qu'il avait fait une belle perf. Williams. Un one-off. Et là, on est déjà en train de le redéfoncer. Bah mec, non mais attends. C'est quand même moche. C'était son cousin qui conduisait, j'y peux rien. C'est quand même moche. C'est quand même drôle parce que c'est le circuit le plus difficile où il fait le mieux et des circuits assez plus ou moins simples, on va dire. Ça veut dire qu'il est peut-être pas si dégueu comme pilote, mais bon, il est pas non plus une légende. Putain, s'il est bon qu'à Monaco, il est dans la merde. Ah. Ah bah. Quand même, il est comme ça. Hein. Bah, en fait, mais moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que Van Dorn finit entre Ericsson et Sirotkin, quoi. En vrai, frère, avec les crevaisons et tout. Ouais, avec la... avec les crevaisons, enfin, bon... voilà, mec, ça fait 7 Grands Prix, oh, ça fait 7 Grands Prix, quoi. C'est un caddie de chez Carrefour, la McLaren, en ligne droite, c'est une blague. C'est un caddie de chez Carrefour. Sérieux. C'est pas Alonso qui avait, genre, la pire vitesse de pointe? Bah, y a moi... Je crois qu'ils ont dû faire un... Ils avaient fait une concession pour le Grand Prix du Canada, qu'ils avaient été obligés de vitesse. Ah, je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. C'est une blague. C'est quand même vachement. Non, mais c'est une voiture de golf. Quand t'as le meilleur châssis, c'est que le châssis suit pas parce que l'idée de sacrifier de la vitesse, c'est parce que ton châssis, enfin ton aéro suit pas et que t'es obligé de compenser. Alors, très bonne réflexion de Fag Aramov. Kubica 1-5 devant les deux en Espagne. Ah. La vraie peut-être question, pas le même programme. C'est... Peut-être pas le même programme aussi. Ma bite, pas le même programme. Sérieux, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ça fait depuis Hiverno que c'est pas le même programme. Mais non, mais le problème, c'est que voilà... On peut pas savoir. Ça, ils prennent le... Mais on peut pas savoir. Et qui te prend 6 dixièmes partout. Mais on peut pas savoir, mais t'arrives en France, Sirotkin, tu sors, tu mets Kubica. Tu vas vite savoir. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu crains? Il fera pas pire, il est déjà dernier. Oui, mais lui, il a une répute. Lui, il a une bonne répute. Tu vois, t'as pas envie de lui casser. Il a la répute de faire des vidéos pour YouTube. Oh, super, il a gagné en 2008. Bah, il fait plus rien. Tu veux la grosse rumeur de merde que je viens de dire? C'est parti, là. C'est, Toro Rosso serait prêt. Oh la vache, c'est duré. À payer Stroll. Oui, bah, Toro Rosso, c'est un peu comme les filles à Gerland. Ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Hein. Voilà, c'est ça. Verlaine, maintenant, ils veulent prendre... Et donc, du coup, Kubica serait chez Williams. Ça, c'est du foutage de gueule. Attends, t'imagines Stroll chez Toro Rosso? Non, parce que moi, j'ai quand même un minimum de respect. C'est pour les gens qui étaient fans de Williams dans les années 90-80 et qui voient ça aujourd'hui. Et les fans de McLaren, alors, qui étaient fans de... Non, mais vous êtes toujours sur le moteur, donc... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on l'entend pas, Alonso, cette année, dire « I've never raced with the less power ». Enfin, je pense que contractuellement, il doit être interdit de dire un truc pareil, tu vois. Oh, quand il va aller en IndyCar et qu'il va gagner le championnat, ça va être beau. Il va revenir dans le paddock de F1. Comme ça. Oh là 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 là. J'étais pas né dans les années 90. T'inquiète pas, en IndyCar, Alonso, il va se prendre un petit coup de roue par Canaan, ça va être... Ah ouais, non, mais il va faire la connaissance de Charlie Kimball, tu vas voir, ça va être vite vu. il va se faire péter par Rossi, il va... Oh mais grave, it's the new boy. He has a lot to learn to. Oh, là, là, it's là. A yolk. It's a yolk. It makes a yolk.
Non mais du coup, on était à McLaren ou Williams? Oui. Ben, on était c'est à McLaren un flop et Williams. Ouais, allez, on y met à la poubelle les deux. Ouais. Les deux, c'est poubelle. Bon, top flop, c'est fait. Est-ce que vous voulez que l'on parle moi, de l'affaire? Je serais chaud de proposer un top flop sur la première, enfin sur le premier tiers. Ah. Rapidement. Alors très rapide. Très belle Renault. On l'a vu la Renault. On l'a vu. Je me souviens déjà pour certains. Alors. Ok, bon, on va refaire top. Oh, putain, on est en train de leur faire atteindre le hydroprono. Ah ouais, le hydroprono, c'est pas tout de suite alors. Restez pas loin. De toute façon, tu veux ça un arrive, top ça arrive. Rapidement de la. Après, c'est comme vous voulez, vite fait, hein, genre flop, top, bof. Ok. Oui, bah ouais. Ferrari, première partie de saison, 7 Grand Prix, top ou flop? Top. Top. Ouais, c'est top. Mercedes. Flop. Flop? Ouais. Bah gros, quand tu passes de 16-17 à ce qu'ils font aujourd'hui... Je suis d'accord. Je suis déçu, perso. Okay. Et avec les essais hivernaux, on pensait qu'ils allaient... Et surtout, ouais. Ok. Bah, perso, simple. Ok, Red Bull. Top. Ils ont progressé. Ouais, top. Mmh. Renault. Top. Ils ont progressé. Aussi. Top. Force India. Ouais, flop. Moi, je serais l'inverse. Top, ils ont progressé aussi. Ouais, mais moi ils ont régressé par rapport à l'année dernière. Ouais, je suis d'accord, mais voilà, ils ont quand même bien avancé par rapport au début de saison. Ouais, je suis d'accord. Sont... Ah bah bof. La première partie. J'utilise mon bof. Pareil, bof. Ah. Bof. Sauber. Oh, c'est un méga top. Top. On est d'accord. Toro Rosso. Ah, c'est un top quand même. C'est un top. Attends, parce non, que... c'est un top parce que. Tu te souviens de l'année dernière, ils étaient en PLS avec les moteurs Renault. Ouais, mais attends, non, mais faut aussi qu'on dise. Que Toro Rosso, c'est leur première année avec Honda. Et oui. Et que quand tu mets un nouveau moteur dans une nouvelle voiture, ça peut toujours pas si bien se passer que ça. Ouais. Moi, je dis bof. Oh. Ouais, c'est vrai que la tombe bof. Kill me, please. Ouais. Je dis bof parce que effectivement avec le moteur. Ça a coupé. Gasly ça... Non, ça a coupé. Ah. T'as été censuré, frérot. Ah merde. Redis. C'est pas logique. Vas-y. Avec Honda, Toro Rosso est pas dégueu. Gasly a fait une belle perf à Bahreïn. Mais ça fait combien de Grands Prix qu'on dit qu'Arclès va être dégagé? C'est quand même pas forcément une bonne image pour l'équipe. Ça veut dire qu'il y a quand même un souci. Oh, ça a toujours été l'image de Toro Rosso. Oui, mais je sais. Mais et puis voilà, Arclès, c'est une quiche, on sait tout. Et ben justement, c'est à cause de ça. D'accord. À cause de ça, tu mets un flop. Oui, tu peux mettre un bof parce que. Okay. Voilà. Bon, d'accord. Arclès, okay, c'est pas terrible. Ok. As. Oh merde, putain le bof. Eh ben moi je vais mettre un flop. Flop parce qu'ils sont pas capables. Enfin, ils sont pas capables. En grande majorité, je vais dire. Hein. Ils sont pas capables de transformer ce qu'ils ont en points. C'est tout. Et surtout quand t'arrives après les essais hivernaux et en Australie, ils sont loin devant le reste. Ils sont très loin devant le reste. Et aujourd'hui, ils arrivent à peine à être dans les points. Ce premier tiers de saison, c'est le premier tiers de saison où il devait marquer le plus de points pour souffrir après pendant les deux autres tiers de la saison. Est-ce que quelqu'un a un classement en constructeur habituel? Je peux trouver ça. Non, je vais le trouver, c'est bon, je vais le trouver. Oh, okay. Parce que faut pas oublier que normalement, tu leur rajoutes 20 points à As. 20 points de l'Australie. Ouais. Facile. 20 points à As. Si tu rajoutes 20, ça fait 39. Et 39, ils sont juste derrière McLaren à 1 point. Ils sont 6e. Et là, ils sont pour l'instant 8e à 19 points. Ils se battent avec Alfa Romeo Sauber. Donc, c'est un gros, gros flop même. Ouais. C'est ce que je pense. J'ai du mal. Bon, c'est... Le double abandon en Australie, finalement, c'est un truc qui a merdé. C'est la faute à pas de chance en fait. T'as rien fait, la moindre petite chose. Bah ouais, je sais, mais là finalement, c'est ça fait mal quoi. Ouais. Mais l'Australie, ils étaient pas dégueu. Il y a eu l'Espagne où Magnussen fait une bonne course. Après, effectivement, quand tu vois toutes les pertes de pièces et tout. À tous les grands prix, effectivement, Magnussen, c'était quoi en Azerbaïdjan où il dit je vois pas Gasly parce que les rétroviseurs tremblent trop. C'est un flop. Pour moi, c'est flop. Ouais. Je m'attendais beaucoup mieux après cette course. Mmh. Ouais. Ok. Sauber, on a dit McLaren. Bah, c'est un méga flop. C'est un méga flop. Ouais, début de saison, après tout ce qu'on nous a vendu. Voilà, mais bien sûr.
Déjà en 2017, on nous a survendu le moteur Honda, ça y est, ils ont fait les progrès qu'il fallait, machin, que nenni, à part en fin de saison où effectivement ça commençait à montrer quelque chose. Le châssis, le meilleur châssis de la grille, MDR. En vrai, ce châssis, il est peut-être le meilleur, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, en fait. Non ! Non ! Si t'as le meilleur châssis, tu fais pas de la merde avec, c'est tout, point barre. Ou alors, sinon, c'est pas le meilleur châssis. Ouais. Red Bull a le meilleur châssis, regarde, et on en a la preuve que Red Bull a le meilleur châssis. Monaco, boum. Là, ils étaient là, boum. Enfin, je suis désolé, ils ont le meilleur châssis, la meilleure. Ouais, non, Red Bull a le meilleur châssis, ça c'est pas. Bah non, mais bien sûr. Mais McLaren a sûrement pas le meilleur châssis, donc. Petit rappel, hein, l'équipe McLaren a dit que avant la fin de la saison, ils visaient plusieurs podiums et des victoires. Ouais, voilà. Il a practiced some donuts for next year. C'est mort. Donc je mange une paella en live s'ils font une victoire cette année. Ok, c'est noté. Arrête un peu, toi. Tu manges une paella en live si... Ah non, mais imagine Singapour. Okay, ça va être long, ce live, alors. Oh là là. Bon, bref. Williams. Bon, non, on n'a même pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le dire. Non, Et du coup, Sirotin, il va se casser, parce qu'il avait dit qu'après cette course, s'il n'y arrivait pas, il se casserait. Ah. Bah, il est aussi fort que Grosjean. Oh putain. Bah ouais. C'est vrai. Et puis il a fait une bonne course à Monaco en vrai. Oh, je viens de voir un éclair là. Ouh là là là. Fait que là, même depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, non, en vrai, non, Sirotkin, je pense qu'il va rester. Oh, on entend ce oui. Oh, c'était beau, c'était beau. Oh, c'était beau ça. Oh, je sens que le live il va lâcher dans pas longtemps. Non, t'inquiète, on est à Paris, ça devrait bien se passer. On va vite passer au hydropreneau. Alors, bon, est-ce que vous voulez qu'on parle rapidement ou alors peut-être non, vous savez quoi, on parlera ça après le hydropreneau et on en parlera dans les questions des abonnés. On parlera du futur moteur de la Red Bull, savoir si c'est un Renault ou si c'est un Honda, enfin un Tag Heuer, pardon. Donc voilà. Bon, alors, on passe au hydropreneau ou pas? Yes. Oh putain. Ouais. Yes. Alors, le résultat du hydroprono du Grand Prix du Canada. Mais quel bâtard. J'ai la petite feuille avec moi, elle est ici. Attendez, reste comme ça, Jeff, faut juste que je remette. La baise Voilà. La baise La baise, comme ça, voilà, très bien. Ouais, on revient déjà avoir fait fort. Sur le résultat. Alors, Jeff a fait très très fort, encore une fois. Bravo, six Jeff. 6 points. Tu as fait 6 points, ce qui est énorme. Oh, c'est le record sur énorme. C'est le record. En même temps, on a ajouté beaucoup de. Ouais, mais on a ajouté pas mal de trucs. Ah, mais oui, je sais d'où il est le sixième. Jeff. Jeff avait mis Vettel, Hamilton, Bottas. Vettel a bien remporté la course, 2 points. Hamilton n'était pas sur le podium. Bottas était sur le podium, mais deuxième, donc 1 point. Il avait prédit la pole position, Jeff, de Sébastien Vettel. Il l'avait prédit, c'est un grand garçon. On aurait jamais dû le laisser commencer. Tu m'étonnes. Ah, grave. Il avait prédit aussi que Verstappen ne se crasherait pas du week-end, ni dans le World of Champions, ni dans aucun autre mur. Et il avait prédit que Stroll ne marquerait aucun point. Et oui. Le pari facile que j'étais le seul à faire. Voilà. Si on passe donc du coup, ce qui fait un total de 6 points, effectivement. 6 points donc pour Jeff. Hydro avait prédit qu'Hamilton serait sur le podium. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il avait prédit aussi que Vettel et Verstappen seraient sur le podium. Vettel pour la deuxième place, donc il marque un point. Verstappen pour la troisième, incroyable, il marque 2 points. Bien joué. Il avait prédit la pole position d'Hamilton, ce qui n'a pas été le cas. Mais par contre, il avait prédit le DNF de Hartley en premier. Et ça c'est pas joué à grand chose. Ça, c'est très très fort. Et puis comme nous trois, Verstappen dans le crash, tout le monde en était d'accord, tous les trois, sur le fait que Verstappen n'allait pas se crasher pendant ce week-end du Grand Prix du Canada.
Et par contre, eh bien, t'avais prédit que Stroll marquerait des points. Bah, malheureusement, enfin, et aussi heureusement pour toi, du coup, vu qu'il a emmené Hartley dans le mur, tu ne marqueras pas de points. Donc, 5 points, du coup, pour Hydro. En ce qui me concerne. Jeff, chut. En ce qui me concerne. T'as capté ou pas ce qui vient de se passer, Jeff? Non. Attends, qu'est-ce qui vient. Attends, t'as pas capté. Ok, non, c'est bon, très bien. Non, il se passait quoi là? Non, rien. Ah bon? Attends. Ah là là! Il est perdu. Je suis perdu. Bref, bon, vous me direz après de toute façon. Donc, j'avais prédit que Hamilton et Bottas seraient sur le podium avec Raikkonen, évidemment. Je devais être sous drogue à ce moment-là. Bottas effectivement est à la bonne place, 2 points. Hamilton n'est pas sur le podium, Raikkonen non plus. Et pour la petite histoire, j'avais prédit au tout début, je m'étais dit ah mais non, je vais faire comme Jeff, je vais mettre Vettel en victoire. Eh bien, j'aurais dû l'écouter. Hamilton pour la pole pour moi, non. Premier DNF Sainz non plus. Verstappen ne marque pas de points. Ne se crache pas. Du coup, la ça me fait marquer un point. Et Stroll dans les points, j'avais dit oui. Et donc, du coup, j'en suis à 3. Voilà, 3. Donc 3. 3, 3, 3. Est-ce que vous voulez les résultats de cette phase? Les résultats. Ah, putain. Oui, Hydro, tu devrais pas avoir 4. Non, 5. 5, 5, parce que... Mais pourquoi? Bah, parce que attends, Vettel. Je suis en train de réfléchir. Bah, Vettel Verstappen 3. Vettel Verstappen. Ah oui, non. Hartley 1. Hartley Verstappen. Et 1 point pour Verstappen. Donc tout le monde a marqué un point là-dessus, en fait. C'est pour ça. Oui, c'est vrai. Et voilà le classement. C'était 2 points. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour des pieds le gaming. Qui, du coup, a ouvert un Tipeee pour s'acheter une casquette. Ah ouais, carrément. À la Max Skies, incroyable. Il ouvre un Tipeee pour acheter une casquette de Carlos Sainz Jr. Terribles images. Qu'est-ce que vous proposez dans le chat? Ah, c'est l'heure de proposer les gages, là, ça se passe comme ça? Putain, vous me lynchez en place publique? On fera ça après, mais quand même, essayez de s'inspirer. Ah ouais. Ouais, on peut avoir des idées comme ça. Je pense que ça va tomber. Allez, le Tipeee Casquette Sainz. Bon, bah ça, de toute façon, la Casquette Sainz... La Casquette Sainz, je pense qu'elle est prévue. Après, oui. Alors, le McDo, c'est déjà prévu aussi, mais ça, c'est pas pour lui. La photo, l'autographe et la photo avec Sainz, c'est Inch'Allah si c'est possible. Normalement, ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire. Sachant qu'il y a jeudi, il y a moyen. Oui. Ouais, il y a moyen. Bon, juste que tu fasses la queue, mais... Alors, casquette... Non, il n'y a pas triche, ta musique. Il n'y a pas triche. J'ai bien 5 points. Arrêtez. Oui, non, il n'y a pas triche. Même si tu enlèves 20 points, j'ai lu un dirham axopilote que... Ah, oh, ça t'a coupé, t'as été. Et la Belgique qui te censure. La Belgique qui te censure, incroyable. Vas-y. Tu disais, Jeff, c'était quoi? Allez dire à Maxou que Van Dorn est nul. Ah bah. Bah, en même temps, malheureusement, les résultats ne mentent pas. Les Belges, ils supportent. Hein. Oh, putain, ça défile à une vitesse dans le chat. Oh là là, c'était attendez. C'était prévu, maillot Honda à faire signer par Lonzo. Ça, c'était le mien si je perdais, normalement. Ouais. Fais une mutation. En vrai. La proposition de Jeff, elle était pas mal, est-ce qu'on l'a dit? Alors, attends, je regarde les dernières. Faire une porte-carte, oui. Une vidéo tribute à Sainz. Ah, mais une vidéo tribute, c'est nul. Ouais, non, une vidéo montage et tout, avec une petite musique. Mais à croire qu'il va regarder ça. C'est pourri, ça. Enfin, c'est pourri. L'idée en soi est pas conne, tu vois, mais... Ça aurait été à Charles Leclerc, il l'aurait vu, Sainz, il va pas le voir. Ouais, c'est ça. Wouah, casquette plus, t-shirt plus, selfie. Avec Sainz et Stroll. Ouais, il a perdu un défi, hein, il a pas perdu la séance. Oui, non, mais grave. C'est... Il en reste encore deux. Ouais, gars, je recevoir un coup de boule de Verstappen. Pas mal. Pas mal, mais non, je le ferai pas. Ouvrir le circuit pendant le GP. Ouf, oh, il est long en plus. Offrir une paella à Sainz. Maillot Renault Floki 55. Oh là là. En vrai, je pense que c'est celle de Jeff, c'est la meilleure. Vas-y. Dis-la. Annonce-nous ton programme. Allez. Non. Oh, ça va, c'est gentil. Non, c'est gentil. Donc... Non, mais c'est faux. Alors, faut que vous sachiez que le gars, voilà, je trouve que ça reste quand même bon enfant. Que ce soit pas plus voilà. N'importe quoi et que ça parte en couille. Pas du lynchage. Voilà. C'est pas un bizutage, hein. C'est un gage. C'est pas la même chose. Voilà.
Donc l'idée, c'est que des pieds lourds, donc tu devras t'acheter. Enfin, peut-être. Allez, si on peut être gentil, on te l'offrira, donc la Non, casquette non, non, je Renault. me l'achèterai, ça va pas la tête. Bon, ben, d'accord. Que tu essaieras de faire signer par Carlos Sainz. Et donc, pour les 7 prochains débriefs, tu auras l'obligation de porter la casquette sur l'intégralité des débriefs. Et il faudra que tu te démerdes, mais il faudra au moins qu'à chaque débrief, tu donnes un compliment à Carlos Sainz. Ah, Voilà. putain de race. Voilà. Ça c'est non, c'est un bon gage, c'est un bon gage. Je tiens à préciser que la casquette Sainz, je l'achèterai, je vais essayer de l'acheter au début du week-end ou même je vais essayer de la commander là cette semaine pour la recevoir chez WAM pour la mettre pendant tout le week-end du Grand Prix. Comme ça, vous pourrez me repérer à la casquette jaune Carlos Sainz. Voilà. Et puis, je pense que c'est pas trop mal. Je pense que c'est approuvé par le chat en plus, là je vois. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Faut Et prier les maintenant, je devs vais un peu prier ici. surtout pour pas perdre les 7 prochains Grands Prix. La même. Parce que c'est la vengeance terrible. Parce que là, du coup, on est les prochaines cibles. Alors là, les T'imagines, frérots. Hydro, tu te prends les 7 et on te dit, bon, faut que tu critiques Vettel. Oh, Ah! critiquer. Tant que c'est critiqué, je m'en bats les couilles, hein. L'internet, c'est Non, bien. non, t'es fou, toi. Moi, je veux qu'il fasse un truc Eh de ouf. gros, 7, c'est quoi le 14e? C'est Monza? Oh, Oh, yo, non, 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 faut pas que je perde ça. yo. Juste avant Singapour, pas skip. La revanche sera terrible. Avec le Oh la ticket Monza, il vache. ferait mal, hein. Ah ouais. C'est con que t'es déjà bloqué par Ferrari, ça aurait pu faire un truc. Putain, c'est vrai. Ah là là. Mais Bref, ouais, on verra. sinon. On retrouvera des gages. Mais de toute façon, je sais pas Oui. pourquoi, mais je sens que moi, je me prendrai un deuxième gage cette saison. Je sais On pas l'espère pourquoi. tous, on l'espère tous. Oui. En même temps, continue à parier Magnussen sur le podium. Ah putain, grave. Oh, Non, mais foutu c'est bon. McLaren. Les sept Oh. premiers Grands Prix, c'était, je pense, les plus compliqués en Ça y termes de est, il se défend. pronosticage. Mais alors Je tellement pense. pas, parce que maintenant, il va y avoir les upgrades moteurs de tout le monde. Ah, oh, ça va être impossible. Plus les pénalités moteurs pour certains. Impossible. TKT, frérot. On va TKT. bref, donc du Bon. coup, bah, on commence la deuxième session. Ça y est, c'est parti pour le hydroporno du Grand Prix de France. Oh la Grand Prix de vache. France, Grand Prix du Castellet. Alors, attendez. Je vais faire mes petites notes. Jeff, Attendez. Hydro. On remet les compteurs à zéro, évidemment, hein, Oui, bah. si vous posez la Oh bah question. oui, sinon, attends, ça va. Pas commencer à plus 5. Ah bah oui, s'il vous plaît. Hein. Du Alors. coup, Grand Prix de France. 1, 2, 3, Faut Paul. faire les 20 places, mais ça va, c'est pas le loto. Non mais grave. Oui, j'avoue. DNF. On fait le Keno. DNF. Les plus vieux connaissent. Et alors, pour le Grand Prix de France, Pole édition position. spéciale du Hydroprono, Putain. est-ce que Romain Grosjean aura un problème pendant ce week-end? Oh, t'es un Oh, c'est bâtard. pas gentil. Ah, j'aurais vu autre chose. Oh, j'irais lui Bah, dire. je suis tout ouïe. Ah, bah, j'aurais vu quel sera le meilleur français à l'arrivée. Ouais, j'aurais pensé. Ok, Tu vois? ok. Voilà. Meilleur. Attendez, attendez, là je vois que ça part déjà victoire et tout. Ah, l'arrivée. Ok. Parce que là, une voiture dans le mur, faut pas rêver. Hein. Ah ouais, mec. Normalement, y a aucun moyen. Enfin, normalement, ça peut Mec, pas arriver. tu mets le pilote qui touche le mur, plus 10. Oh, Il gagne de Paris, il est immunité, c'est bon. Ah, mais Ah, grave. celui qui mange le Non, mur mais. des stands, Parce que je vois que ça. honnêtement, il faut aller chercher un mur au Castellet, faut y aller. Hein. Genre Il n'y a vraiment. que le mur des Alors, stands. Leclerc ne compte pas en tant que français, hein. Attention, Leclerc Ni est Van en Dorn. Belgique. Ni Ah Van Dorn. Non. Ni Van Dorn, forcément. Pas déconner. Ouais, c'est déjà pas mal. Le top 3, la pole, le DNF Du et le coup. meilleur français à l'arrivée. Je pense que c'est pas mal pour le Castellet. On garde pas le crash tapen du coup. Non. Non. Ok. Non, c'est bon, c'était la première partie C'était bien de. marrant quand même. Oui, oui. Tu mettras à jour ton thread Mon si t'as t'inquiète, envie, mais. on trouvera une Alors, nouvelle alors! discipline. Meilleur français. On va commencer par la pole position et on Un va pole position. demander à Jeff. Pole position, c'est ça? Ouais. Hamilton. Moi, je vais faire tout comme Jeff en vrai. Hein. Bottas. Hydro. Bottas. Ouh.
Non, mais il est bah, sous coach. Oui. Voilà, il est déjà baisé. Ça t'apprendra à vouloir jamais commencer. Eh oui. Il est sous coke, le mec. Non, mais en vrai, Bottas. Ouais, large. Ah non, c'est pas, déjà, c'est pas déconnant. Hamilton n'aime pas du tout le circuit, déjà. Donc, C'est pas déconnant. Ouais, mais c'est pas parce qu'il l'aime pas qu'il est pas bon dessus. Ah, oui. Bah, gros, je sais pas, je vois pas ces sessions de simulateur. Moi. Ah ouais, mais en même temps, putain. Pff. Bottas. J'ai confiance, vamos la vodka. Est-ce que je me tente une Ferrari ou pas, Vettel, Paul? Qu'est-ce que tu vous peux tenter un Raikkonen, hein? Ouais, bah oui, bien sûr, ouais. On va bien te faire foutre. Là, il peut pas mettre des roues dans l'herbe. Là, ah, ouais, bah, ouais, ouais. Il aura sur la route. Hein. Non, par contre, il y a Charlie Whiting, il va faire en dehors des 4 lignes blanches, je vais te faire foutre. On va y avoir le droit, ça, je pense que. Vettel. Ah, Bottas, ça fait 150 tours il y a une semaine sur le Paul Ricard. Tu balances mes petites roues. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Ouais, mais... c'est... Attention, il y avait des tests avec une piste mouillée aussi. Hein. Ouais, ça faut ouais. Aussi. Ouais. Eh bah, tu sais quoi, rien que pour ça, je vais mettre Bottas. Moi aussi. Bâtard. Ah, et si c'est Hamilton, tu vas avoir le seum. Je vais avoir le seum. Déjà l'occasion de prendre l'avance. En fait, tu sais quoi, la deuxième moitié de saison, ça va être le torpillage sur Hydro. Oh, voilà. Il y a de l'anti-jeu. Ah ouais, non, mais il y a de l'anti-jeu. Oh, ça joue toujours, t'inquiète pas. Jeff, top 3. Hamilton, Bottas, Vettel. Ah ouais. Ah ouais, non, mais là, je cherche pas. Pour moi, là, c'est Mercedes. Il faut qu'il y ait un problème moteur pour... Ok, Hydro. Bottas, pour ceux qui ont vu mon tweet aujourd'hui. Ah bah oui. C'est quoi ton tweet? Bottas, Hamilton, Vettel. Enculé, je vais aller le voir direct. Jeff, ta gueule. Ah oh, ouais, putain, vous êtes des bâtards. C'est que du karma. Donc, ouais, mais tu me connais, moi je crois au karma. Oui, bah oui, je sais. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, Racing Magia qui s'est engagé à faire un show, on rappelle. Ouais, il y a quelqu'un qui a parié lors de la course et qui a réussi à mettre Verline. Attends, de quoi Racing Magia qui quoi? Non, il y a quelqu'un dans le chat qui a fait son pari et qui a mis Verline. Oh, en DTM, oui, pourquoi pas. Hein ah. Deux fois, Sirotkin. Peux-tu relire ton commentaire, s'il te plaît? T'avais des petites... Bon, du coup, des pieds longs, on t'attend. Là, ouais. Tu m'as dit quoi? J'attends pour ton top 3, tu m'as dit Bottas. Moi, il l'a dit. Bottas, Hamilton, Vettel. Voilà. On a inversé Mercedes. Enfin, n'empêche que tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, les Mercedes, pas trop. Tu les mets un et deux. Jeff, tu sais très bien qu'à partir du moment où il y a le générique, on n'est plus potes. Le bâtard. C'est logique. Enfin bon, là, résultat, on va mettre quasiment les mêmes points. Oh là là. Oui, mais non, parce qu'avec mon karma, je peux prendre 2 points. Ou les perdre. Je vais faire comme Jeff. Putain, je vais pas mouiller, j'en ai rien à foutre. Je vais mettre Hamilton, Bottas. Il a tellement peur. Vettel. Oh, j'explose derrière, j'ai raison. Parce que j'explose derrière Jeff à la pole et j'ai raison sur le top 3, il a le moins de points de tout. Ah mais grave. Oh, non. Non. Ils ont oublié les Red Bull. Non mais vous savez pas que les Red Bull, mais oh là là, ils vont arriver à la fin du secteur 2, ils vont voir les deux lignes droites, ils vont faire. C'est ça. Oh my Mia. Oh, j'ai de l'asthme. Hold ma canette. Ça. Oh la canette. Red Bull donne pas DL. Oh non. DNF. Premier DNF, Jeff. Attends, là par contre, là c'est dur. Déjà, mec, faut voir où il peut arriver. Virage 1, oh, le virage 1, il a l'air parce super que compliqué. Je crois que c'est pas le 1, je crois que c'est le 2 qui referme. Ouais, le 2 referme. Le 1, en fait, il y a une bosse, le 1. Ouais, voilà. Déjà, le départ, il va être chaud. Oh, qu'est-ce que je suis tenté de mettre Grosjean en vrai. Je l'ai pensé la même. Alors, du coup, je vais tenter Magnussen. Comme ça, Depilo va se lâcher. J'ai pas envie, mais putain, Romain. Si tu nous regardes, Grosji. Non, Romain. Ça va bien se passer. Ou alors à la chicane pour qu'on puisse le voir, nous. Ah. Ou ça, alors il démarre pas, il se fait juste rentrer. Juste devant. Petit problème de frein. Allez, tic-tac. C'est dur. Allez, on va mettre le Sirotkin. En fait, faut dire au pif, hein, presque. Ouais, moi, je vais dire Perez. À quel moment? Je sais pas. Bah, ça peut être un tout et n'importe quoi. J'avoue qu'à Bahreïn, ça aurait pu être Perez. Un accrochage. Le meilleur français à l'arrivée, s'il vous plaît, messieurs. Jeff. Ocon.
Pierre. Gasly pour... Pierre. Moi aussi, je vais mettre Ocon. Bande de bâtards. Moi aussi, je vais mettre Ocon, Pierre. Frérot. Je te fais confiance, Pierre. Non, mais j'adore Pierre Gasly, pour le coup, et Esteban Ocon, mais faut être... Ah, il y a l'upgrade moteur Mercedes. Oh non. Bah, la Force ouais. India. Oh, la Force India au Paul Ricard. Oh non. Ah bah ça. Ouais, frérot. Là, elle va taper dans les 340, 350. Ah mais gros. Pourra la passer. Signe, elle va le prendre à 350, tu vois. Ça va être vite vu. Hein. Personne qui la passera, la Force India. Kaine problème. Bon, voilà, on a enfin le résultat. Enfin, le résultat. Le non, hydroprono. Prono. Voilà. Du Grand Prix du Castellet. Qu'on verra en direct. Putain, on pourra se bâcher en direct. On va pouvoir se bâcher en direct. Ça sera assez. Par SMS interposé. Mais... Oui, parce que vous. Oh, ils sont mignons. Jeff sera à la tribune de la chicane. Pendant que Hydro et moi, on sera avec Giggs et Valen. Vous serez. On sera pas ensemble. Visiblement, on sera dispatché hein dans la tribune. Hein, parce qu'on remercie textos, l'organisation du Grand Prix de France d'avoir fait de la merde. Mais. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà pour le hydroprono. Est-ce que vous voulez passer au reste à la fin? On va passer aux questions rapidement pendant un petit quart d'heure, vite fait. Est-ce que ça vous dit? Je suis en train de lire un truc. Ouais, c'est question. Bien. Alors, déjà, il y a un truc que j'ai vu. Alors, vous pouvez commencer à poser les questions dans le chat. En attendant, on va débattre sur le fait que Red Bull va changer de motoriste, vraisemblablement. Je voulais parler d'autre chose avant, mais... Ah, vas-y, bah, alors je t'écoute. Il y a l'histoire avec Raikkonen et... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? J'ai pas lu du tout. Moi non plus. J'ai vu ça sous ta vidéo. Je pense que Jeff doit être au courant, vu que c'est son pilote fétiche. Son loser fétiche. Ah bah, je crois qu'il est. Bref. Oui. Ça tire à balles réelles. Il y a une histoire qui est remontée là, juste avant le Grand Prix du Canada par des. 2016, 15, non ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2016, apparemment, Raikkonen aurait fait des attouchements sexuels auprès d'une serveuse dans un bar à Montréal pendant le week-end du Grand Prix. Enfin, après le Grand Prix, du coup. Et elle demandait du pognon. Elle demandait, je crois, $1 million. Et Raikkonen, du coup, a 6 pour cette affaire-là, parce que y a du chantage et de l'extorsion d'argent. Donc, je vais pas dire qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est Raikkonen n'a rien fait et tout? Parce que la personne qui incrimine Raikkonen. Sur sa façon de se présenter sur les réseaux sociaux, donne pas une image qui l'avantage forcément dans cette histoire-là, mais fait pas un boulot où elle devrait. Enfin, c'est pas une stripteaseuse, c'est pas une prostituée, c'est une serveuse, tu vois. Donc, normalement, elle a pas à se faire à toucher. Et Raikkonen, tu te dis, c'est bon, il est marié, il a des gosses. Ouais. En 2016, à l'époque, Et voilà. En 2005. Avant la présentation de la McLaren, il était déjà marié et apparemment il s'est fait gauler en boîte de nuit en train de se masturber la nouille. Ah. Donc, c'est-à-dire que Raikkonen, quand il est bourré, il est finlandais. C'est trash quoi ce qu'il fait. Il est très trash. Donc, s'il était torché, c'est pas forcément. Enfin, tu peux pas le défendre entièrement parce que si ça se trouve, ça s'est passé. Ok. Voilà, donc maintenant, j'attends la justice. J'attends que la justice donne son verdict. C'est tout. Bon. Ok. Bon, c'est un peu malheureux, ça a fait une petite tâche. Après, pendant tout le week-end, j'ai l'impression que personne n'en a parlé. Non, moi je pense que ça a été bien étouffé. Ça a vite été étouffé, je pense. Ouais, ça a bien été étouffé. Ça m'a presque étonné d'ailleurs, parce que tu te dis, c'est un pilote de F1 et tout, on peut parler aux joueurs, rien. Ouais. Bon. Donc, tant mieux, hein, à la limite. C'est tant mieux pour lui. Maintenant, on attend que la justice donne son verdict. Et on verra là, on verra au moment là. Hein. Mais si jamais Raikkonen est déclaré fautif, il va falloir trouver un remplaçant. Charles. Parce que ce genre de truc-là, normalement, comment je vois tellement Giovinazzi prendre la place, c'est un truc. Ou un Daniil Kvyat. Non.
Kvyat, son regard. Oh voilà, oh son regard de Terminator. Oh, oh l'autre, il se transforme en Mohamed Henni, quoi. Mec, voilà. Oh, mais son regard, mais sa tête. Ah, mais ouais. T'as l'impression qu'il s'est fait tuer sa famille. Ah, bah, c'est un russe, hein. Il a pas mais de famille. Oh, il y avait un moment, il y avait genre un zoom sur lui, j'étais mort de là. Bon. Red Bull, Renault, alors, ou Red Bull, Honda. Faut contextualiser un petit peu des pilotes. Vas-y, voilà. Contextualise. Bah, mais tu es youtubeur professionnel, c'est à toi de le faire. Oh, pff, ah ouais. Ah, ah ouais. Pas le réel ce soir. Oh là là. Ouais, ouais, nous, ah, mais alors, il n'y a vraiment plus aucune pitié en fait. Entre moi, je passe mon bac. Moi, je parle pas F1. Moi. Ah ouais. Oh là. Ah ouais. Ok, alors, l'année prochaine. Enfin, en fait, cette année arrive à expiration le contrat entre Red Bull et Renault. Red Bull qui, par le passé déjà, a tapé plus d'une fois sur Hamilton chez Ferrari. Tiens, ça c'est pour toi, coucou Hydro. Bah non. Red Bull qui a par le passé énormément tapé sur Renault, notamment en 2014 et 2015, je crois. Jusqu'en 2018, hein, ils ont toujours tapé sur Renault. Ouais. Ouais, non, mais où ça a été, où il y a ça a été violent, c'était 2017 et 2015. Je crois. Non, ça a été 2016. 2017. Mais 2017, tu ne viens pas, c'était au Brésil même. Non, où il s'était chopé et tout. Non, mais 2017, c'est... le moteur était déjà tagué, badgé tagué R. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça s'est grave embrouillé. Je crois que c'était en 2016, il me semble. 16, du coup, ouais. Et en disant que ouais, les moteurs Renault, c'était de la merde parce qu'effectivement, ça faisait maintenant, ça faisait 2 ans et quelques que. Voilà, on était passé à l'ère hybride. Oula, je vais pas y arriver. À l'ère hybride, pardon. Et donc, du coup, il y avait quand même un retard extrêmement conséquent sur le moteur Ferrari et sur le moteur Mercedes aussi. Parce qu'ils voyaient pas d'amélioration. Bref. Et donc, du coup, bon, bah, ils ont quand même re-signé machin en disant ok, on badge les voitures Tag ER, mais pas Renault, parce que vous nous cassez les pieds, grosso modo. Et puis bah, à la fin de cette saison arrivera la fin du contrat entre Renault et Red Bull, et donc du coup la question se pose de savoir si Red Bull va aller chercher le moteur de la Toro Rosso, donc à savoir le Honda, ou s'ils vont garder le moteur Renault, parce que pour l'instant effectivement regardez, ça joue le top 3, ça joue les victoires. Est-ce qu'à terme ça peut jouer le championnat? Je sais pas, mais Si, comment dire, dans une logique de long terme, pour moi, Red Bull ira chez Honda quoi qu'il arrive, parce que Renault est présent en tant qu'écurie constructeur, et donc forcément va se garder des moteurs plus performants, comme le fait Mercedes aujourd'hui, pour être la plus performante possible et éviter d'avoir une Red Bull à côté. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, je suppose... Alors, j'ai pas vu les interviews d'après Grand Prix avec Habit Bull, etc. Mais je pense que ça a dû se clasher comme d'habitude en soi. Il n'y a pas eu grand-chose de neuf, quoi. Si. En gros, ce qui était prévu, c'est que de base, le deal donc du moteur pour Red Bull devait être signé au Canada. Ouais. Red Bull a repoussé au Grand Prix de France. En arrivant au Canada, ils ont fait « on va repousser en Autriche ». Et après le Grand Prix, c'est Cyril Habit Bull qui disait de toute façon, c'est simple, on arrive en Autriche, soit ils ont signé, soit on se casse, et on leur dit non, on vous donne rien. Donc en gros, ils vont devoir décider avant le Grand Prix d'Autriche, qui est leur Grand Prix national à Red Bull, de quel moteur ils vont utiliser. D'accord. Il y a eu une rumeur, le moteur de Gasly, il aurait pu ne pas mettre la nouvelle version pour la course, sauf qu'il y a eu une rumeur que c'était justement Red Bull qui avait demandé à Honda de mettre le moteur pour voir comment il avait évolué et comment il fonctionnait, pour justement se servir de ces données. Ouais. Pour s'inspirer de l'année prochaine. Et apparemment, je dis bien apparemment, c'est Amuse, donc c'est Auto, comment c'est Auto Motorsport and Sport, le journaliste allemand, il s'est dit dans le paddock que Red Bull allait se tourner vers Honda et que Renault, ça allait être bye-bye du coup. Il y a une question, alors là, du coup, c'est chacun son avis, mais est-ce que c'est une vraie bonne idée de prendre Honda en 2019? Moi, je pense que c'est une vraie bonne idée. En 2019, pareil, je dis bien. Ouais, moi je pense que c'est une vraie bonne idée. Alors certes, ils vont redescendre, je pense qu'ils vont devoir accepter le fait qu'ils vont forcément un petit peu redescendre dans la hiérarchie. C'est obligé. Maintenant, très clairement, je pense que c'est une bonne idée parce qu'ils font ce que McLaren a tenté de faire, c'est-à-dire être complètement, entre guillemets, indépendant d'un des constructeurs qui est présent à F1, à savoir Mercedes, Ferrari ou Renault.
Et du coup, bah, ils auront les moyens de gagner. Enfin, comment dire? Ils seront pas mis sur le côté comme McLaren sera mis sur le côté avec son moteur Renault. Grosso modo, c'est ça que je veux dire, tu vois. Alors après, dans ce qui s'est dit aussi de ce week-end, c'est que c'était un contrat, pardon, de 2 ans, ce qui ferait donc 2019-2020 et en 21. Donc tu as les nouveaux moteurs et donc tout Porsche, Audi, il y a qui vient, enfin qui veut venir. Ouais, Je sais y a un plus il y a qui esprit. encore, mais il y a Il n'y a pas beaucoup de gens qui Cosworth. s'intéressent. Il y avait Cosworth à un moment, je Ouais. crois. Donc en gros, tu as 2 options. C'est soit ils prennent Honda, ça marche, ils y restent, soit ils prennent Honda et ils passent sur un Porsche, peu importe, Ouais. pour le reste. Et donc en soi, ce serait une bonne idée. Ils auraient 2 ans à souffrir, je pense. Bah 2 ans à souffrir, oui et non, Je parce que pense regarde, pas le que moteur du Toro jour au Rosso est lendemain. quand même, le moteur Honda est quand même pas Ouais. trop mal aujourd'hui. Mais on avait eu, enfin, j'ai eu ce débat sur Twitter avec certaines personnes. Est-ce que le moteur Honda est vraiment aussi bon que le moteur Renault que Red Bull a aujourd'hui? Non, bah non, non. Voilà. Non, mais ça, on est Donc. d'accord, tu vois. Et Ça, on tu est vois, on en d'accord. revient au même problème, c'est que du coup, Red Bull devrait décharger la voiture en aéro pour gagner de la vitesse. Ce que McLaren n'a pas fait et ça n'a pas marché. Est-ce que Red Bull y arriverait? Parce que du coup, ils se servent de McLaren. McLaren, c'est la même situation quasiment que Red Bull. Bah. Vu ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas. Jeff, t'as un avis là-dessus? Ceux-là, il lit le chat, il s'en Il est fout. en train de regarder Mais un non! film. Il regarde un film de boule en vrai. Putain. Oh Exactement. là Exactement. C'est pour ça que vous voyez pas mes mains. là! Non, mais enfin, c'est un pari pour Red Bull de prendre Honda. Mais après, ce serait un bon pari parce que, comme tu disais, pour McLaren, l'idée d'avoir un motoriste qui est dédié à ton équipe, c'est ça normalement qui fait que Que tu tu peux aller arrives, jouer la gagne. bien sûr. Parce que normalement, le deal pour Red Bull avec Renault, bah, il devrait être de moins en moins avantageux pour eux, parce que Renault bah, va de plus en plus se privilégier lui. Bah oui. Donc le pari peut être intéressant. Après, 2019, est-ce que ça va pas être une année trop tôt où Red Bull risque de régresser un peu? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre ce pari? Je dirais que ce serait pas déconnant quand même de prendre le pari. Sachant qu'ils auront 4 voitures et pas 2, Mais motorisées après, par Honda. oui, Ouais. voilà, ils Donc auront quatre c'est quand voitures. même un gros avantage. Mais dis-toi que si 2019, par exemple, ne marche pas, ils n'ont plus que 2 années avant que le moteur change. Bah Donc c'est quand même un gros risque. Et à la Après. construction, est-ce que c'est une bonne idée de faire, enfin, d'adapter ta voiture pour seulement 2 ans? Sachant que le changement de réglementation, il n'est pas énorme en termes de moteur en 2021. On passe de quoi? On enlève le MGU-H ou le MGU-K, je sais plus. Le MGUH. Donc, est-ce que ça Bah, vaut après, à vraiment le coup voir, de hein. prendre ce À risque? voir si. Bah, c'est à voir, mais moi, je vais te dire, je pense que le truc, c'est que si Red Bull signe avec Honda, ça veut dire que Honda restera jusqu'après 2020. Je les vois pas signer pour Ouais. 2 ans comme Oui, ça c'est clair. pour juste Oui, dire à Renault alors là, d'aller se c'est très faire voir, tu vois. terrible, hein. Donc ça veut dire que Honda restera après et ça veut dire que Honda devrait déjà être en train de plancher sur le moteur de 2020. Parce que Bah, ils ont s'ils le font intérêt. pas, Oui, il serait temps, putain. Red Je Bull, pense bah, qu'ils auraient déjà ils commencé, vont l'avoir dans le baba, tu vois. Donc c'est ça la vraie question. La vraie question, est-ce que en 2020 vous serez toujours là? Est-ce que vous avez commencé à bosser dessus? Est-ce que vous avez déjà des résultats? Etc. Etc. Tu vois. C'est. Voilà. Je pense que justement la réglementation 2020 avec le fait que les moteurs soient entre guillemets simplifiés du fait qu'il y ait plus cette récupération de la chaleur là qui est immonde et qui est complètement con. Enfin complètement con, non en soi non mais voilà. Mais voilà, c'est. Je sais pas. Je pense que effectivement si Red Bull le signe avec Honda, c'est pour du long terme à échelle 5-6 ans, quoi. Voilà. Et du coup, ça rebondit, mais Ricardo voulait savoir le moteur qu'il allait Eh ouais. avoir s'il restait. Et est-ce que, alors ça, je sais pas, du coup, c'est noir ou blanc. Est-ce que Ricardo reste avec Honda ou il part avec Honda? Si vous savez. Parce que dans un interview, je sais plus quand, mais il avait dit en gros, en fonction du moteur, il part ou il Oui, reste, en voilà. fonction, Mais dans quel sens? En Je mode. pense qu'il est Alors pas ça. bête. Je pense qu'il est pas bête. Il sait très très bien que Max Verstappen, c'est
Ah oui, il le sait. C'est le leader de l'équipe. Il l'a dit d'ailleurs en interview après le Canada. Ça m'a bien fait. Il dit quoi ? Il dit ouais, si on, de toute façon, on aurait pu overcut Max aussi. Mais je pense que l'équipe s'est dit bon, on va pas faire ça vu qu'il était devant sur la piste. Mais il non, le mais sait très ça, bien. Hein. Il le sait très bien. Il sait qu'il a pas d'avenir chez Red Bull. Donc en fait, on va dire que si Red Bull signe Honda, c'est un prétexte pour lui de dire je me casse quoi. Grosso modo, c'est ça, tu vois. En vrai, là, c'est là où ça commence à être intéressant parce que là, il y a un marché des transferts pour 2019 ouais. qui est incroyable. Il est incroyable. Parce que là, il y a des mecs comme Ocon et Leclerc qui, s'ils restent dans leurs équipes, ça va être des années perdues, moi, je pense. Ouais. Ah oui, ouais, c'est clair. C'est clair. C'est sachant clair. Que, imaginons, Ricardo part pour Mercedes à la place, on va dire, d'Hamilton parce que la F1, ça lui plaît plus ou je sais pas quoi en fin de saison, on imagine. Ah oh ouais, mais l'autre il est sous coke là. Mais imagine, ça va bien arriver un jour. Ocon, tu lui mets à la place de Bottas ? Sachant que Bottas, lui, il porte Mercedes cette année ? Il porte Mercedes, wow. Quand Hamilton n'est pas là, ils sont bien contents de l'avoir. Hein. Oui, non mais bien sûr, mais... Bah, c'est ça que je veux dire en gros, c'est que s'il n'y a pas Hamilton, il y a Bottas quoi. Bah... Ouais. Est-ce que Mercedes serait prêt à dire non à Bottas et prendre Ocon alors qu'il fait du bon taf, Bottas ? Bah moi j'ai envie de te dire, Bottas est managé par Toto Wolff, voilà, point barre. Ah, voilà. Même s'ils disent que ça interfère pas dans les négociations et toutes ces conneries, mon cul, ouais, rien du tout. Genre... Ricardo chez Renault comme chez Depiello. Bah en soi c'est pas déconnant. À la place de qui ? Hülkenberg ? Bah, Hülkenberg, il tient la baraque. Et si Ricardo voilà. part, bah, ça ouvre la porte à Sainz. C'était techniquement, contractuellement, oui. Sainz, il revient chez Red Bull. Hein. Tu fais un échange. Donc, ouais. Ça fait Verstappen-Sainz. Et du coup, ça voudrait dire qu'il quitte Red Bull pour aller chez Renault, qui a un moins bon châssis, le même moteur. C'est risqué. Bah, du coup, ils auraient peut-être plus le même moteur. Bah, Red Bull, si, il a le même moteur. Ouais, enfin, tu m'as compris. Red Bull passerait chez Honda. Ouais, mais ouais. Du coup, Red Bull était chez Renault, ils gardent le même moteur, Ricardo, c'est ça que je veux dire. Oui. Donc tu vois, il y a un sacré... En fait, ça doit être fait sévère hein, dans les paddocks. Hein. Ça... Ah, là, les cartes de visite, elles doivent être survoltées à tire-larigot, frérot, ça va être assez vénère. Chaud. Mais en vrai, je pense, le move qui va se passer, c'est que Raikkonen, il va rester une saison de plus, je sais pas pourquoi. C'est ouais, ça probable. C'est vrai. C'est ça, c'est obligé. Juste pour faire chier probable. Tout le monde, ils sont prêts parce que, à garder Raikkonen. Il fait le tu taf. Tu vois, on dit que 2019, y a plein de gros transferts qui peuvent se faire, mais en fait, la vraie clé, c'est Raikkonen. Bah, bien sûr. Parce que Mercedes, c'est un gros pari de dégager Bottas. C'est pas un pilote dégueu. En fait, il faut qu'un pilote quitte la F1 pour que ça fasse bouger les choses. Ouais. Et le vrai gros changement sera quand Raikkonen prendra la. C'est là que ça bouge. C'est là que ça va bouger. Moi, je pense et que Raikkonen va rester une année plus. Raikkonen, s'il reste l'année prochaine, de toute façon, t'as Giovinazzi ou Leclerc derrière. Donc sa place, elle est pas tellement à prendre en fait. Oui. C'est sûr. Oui. Ouais. Tu vas pas me dire que Leclerc. Je vais te dire, chez Ferrari, ils prennent pas un mec qui est pas champion du monde presque. Hein. Ouais, mais. À part Massa ouais, mais en, bon, 2000, ils ont l'air... en 2006. Faut pas s'il c'est était dans la première Ferrari moment... Driver Academy, tu vois. C'est le moment de tenter un truc en vrai. Hein. Et surtout que Charles est adoré. Il est adoré par Ferrari. Si. Il y a bien un moment où tu peux tenter quelque chose avec un jeune, c'est avec Charles. Ok. Ah oui. Parce que en plus, t'as même plus l'excuse de dire il fait des erreurs en Chine, à Bahreïn, il faisait des erreurs. Là, il les fait plus du tout. Là, il les fait plus du tout et en plus, il fait des perfs. Donc. Exactement. Donc, s'il progresse, il y a pas d'excuse. En fait, si Raikkonen part, c'est Charles Leclerc. Ouais. Alors, moi, enfin, quand je vous dis qu'il faut un pilote qui est pas forcément champion du monde, mais qui a de la bouteille, qui a. Ouais, ils non, ont toujours pris des pilotes qui avaient un peu de bouteille. C'était la mentalité. Il a fait deux ou trois saisons chez Sauber. Il a été pilote d'essai aussi chez Ferrari. Voilà, tu vois. L'autre option dans ce cas-là, comme disaient les rumeurs, et dans ce cas-là, ça fait encore un changement dans les. Ça donne une place à Red Bull, donc qui serait prise par Sainz. Donc ça donne une place chez Renault, qui pourrait être donnée à Ocon. Du coup, si jamais Ocon ne peut pas aller chez Mercedes, Renault chez Ocon, mais jamais. Non, Ocon chez Renault. Non, mais voilà.
Mais ouais. Bah dans ce cas-là, ça donne une place chez Renault que pourrait prendre je ne sais pas qui. Oui, oui. Non, mais... bah, tu vois, c'est... Ouais. Ça pourrait créer un chamboule tout. Dans... Donc c'est pour ça que là... En vrai, Ocon, il n'ira pas chez Renault. Je pense qu'il n'est pas con non plus. Ouais, mais c'est très bien. Ou alors, justement, tu vois, il dira à Mercedes, si vous voulez me garder, vous me donnez le baquet de Bottas, sinon je pars chez Renault, tu vois. Et, oui, voilà. Et Mercedes, beaucoup je pense qu'à un moment donné, tu vois, le grand patron, craquer, pas Toto Wolff, mais le grand patron au-dessus, il va faire attends, frérot, on a mis combien de thunes sur lui ? Ça fait des années qu'on l'a. Ça fait des années qu'on le paye, etc. Et maintenant, il va partir, tu vois. Genre, c'est quoi ce bordel ? Pour garder Bottas. Donc, tu vois, si Ricardo part chez Ferrari, ça fait un bordel monstrueux. Et Bottas peut se retrouver chez Renault, du coup. Hein. En vrai. Et en vrai, le baquet chez Renault, il peut être convoité par beaucoup de monde. Van Dorn. Bah là, mon gars. Et avec Alonso qui prend sa retraite, sachant que Norris veut forcément prendre un baquet, ça laisse quand même un baquet de libre peut-être chez Mais McLaren. Mais qui veut aller chez McLaren ? Ricardo va aller chez McLaren. Et bah. Oh. Ah bah non. Ah non, frérot, s'il va chez McLaren, c'est le pire move de toute sa carrière. Même Alonso, bah non, il aurait pas fait ce move. Mais voilà, peut-être. Enfin, si, il l'a fait du coup. Mais... Un autre pilote, qui sait ? Je sais pas, moi. Pérez. Un gros Jean. Oh, imagine. C'est rien. Incroyable. Norris. Ouais. Enfin, n'oublie pas que toi, t'as mis Grosjean chez Red Bull. Ouais. Ouais, c'était quand ? C'était. Saison 3. Donc. Ah, mais c'était sur la fin 2016, hein, c'était pas sur la fin 2017. Là, on est en train de partir dans un My Driver prédiction. Non, sur 2017, il était chez Force India, garçon. Je sais ce que je fais quand même. Ah bah oui, frérot. C'était sur le 2016, mec. Ah non, c'est Pérez que t'as mis chez eux, oui. C'est Pérez qui est chez eux. C'est pas mieux. Bref. C'est pas mieux. Oui, si, c'est pas mieux, hein, Pérez. Bon, pour ce que tu critiques, bref. Je pense qu'on fera un live complet sur les transferts à la fin du deuxième tiers. Au pire, on verra plus tard. Je pense qu'on verra plus tard. Alors, on peut enfin répondre aux questions des gens. Des infos sur F1 2018, je voulais en parler tout à l'heure, mais du coup, j'en ai pas parlé. Il n'y en a pas, non ? Ils ont donné, comme par hasard, je ne dis pas que c'est moi, j'ai tweeté Codemasters et ils ont enfin donné les dates. Donc en gros, mercredi 13 juin. Il y aura un live sur IGN à l'E3. Il y en aura un aussi à Square Enix Present. Donc ça, c'était comme l'année dernière, aussi le mercredi, mais c'est dans la nuit tout ça, hein, bien évidemment. Ouais. Et il y en aura aussi jeudi le 14. Donc là, cette semaine, mercredi dans la nuit et jeudi dans la nuit, vous aurez des lives sur F1 2018. Okay. Juste prier pour que ce soit pas comme l'année dernière où ils nous mettent du classique et ils nous mettent des trucs de merde. Ouais, ou des mecs qui je pense que ça va être savent pas jouer quoi aussi parce que c'était. Ah mais ça on va y avoir le droit, ça va être encore l'autre show. On va découvrir un show à la manette. On va découvrir un ravin. Putain. Non, je pense pas qu'il y a. Enfin, je pense pas qu'ils soient dans le truc. Oh là là, ça c'est une belle claque. Cette semaine, on va avoir du gameplay. Ouais. Et après, ouais. Alors. Question. Parce que là, du coup, on est parti tellement loin du Canada. C'est ça. On pourra prendre des photos avec vous. Ouais. Bah oui. Quoi ? Ah oui. Okay. Faudra peut-être qu'on organise un point de rendez-vous à un moment. Ouais, ça peut être le bordel peut-être. Je pense que tout le point de rendez-vous. Nombre, en fait. Le point de rendez-vous, il se fera entre les deux séances d'essai libre vendredi. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mieux. On est tous sur le circuit, on peut tous bouffer ensemble à la limite, tu vois. Faut voir les gens qui sont là aussi pour les séances d'essai. Peut-être qu'il y en a qui font que le grand, que le GP. Après, ouais, voilà, genre c'est pas. Ça m'étonnerait, hein, parce que les séances d'essai, c'est ce qui coûte le moins cher. Oui, mais tu sais, il y en a, ils travaillent, ils peuvent pas se. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, bah, on fera un truc aussi pour le Grand Prix. 24 heures du Mans, il y a. 24 heures du Mans, moi, j'y connais pas grand-chose. Alonso gagne pas les 24 heures, merci, au revoir. Non, mais ça, c'est sûr. Donc mais ça, moi, c'est carmaté. Je vous parie 10 balles. Parce que en fait. C'est ça que les gens oublient, c'est que Toyota est ultra favori en LMP1, mais ils ont deux voitures. Oui, et puis les deux, elles n'ont pas fini. L'année dernière, ça n'a pas tenu. Hein. Voilà. Il y a deux voitures, puis tu as aussi le troisième élément, c'est que c'est l'endurance, il faut que ça tienne. Genre. C'est ça. Oui, mais bon. Et peut-être une triple couronne pour Montoya, mais ce ne sera pas la vraie triple couronne pour le coup. Non, parce que lui, il a gagné Monaco, mais il n'est pas champion en gros, je crois. Mais non, mais ça n'a aucun. C'est pas rapport. Ça la triple couronne. La triple couronne, c'est gagner Monaco, les 500 miles et les 24 heures du Mans. Ça n'a rien à voir à être champion du monde ou pas. Voilà. Mais par contre, en fait, vu que Montoya est dans une catégorie inférieure, je crois qu'il est en LMP2 ou GT. Je sais pas. Et donc, du coup, il a. Malgré tout, si ça resterait. Ça resterait une petite,
petite apparemment. Après, tu sais, on dit ce qu'on veut, mais les 24 heures du Mans, souvent les gens disent le GT c'est plus difficile à gagner que le LMP1. C'est clair. Donc, le GT c'est un truc de fou en vrai aux 24 heures du Mans. Donc voilà, finalement, c'est pas parce que tu gagnes en LMP1 que là oui, t'as gagné. Racing Media qui nous dit qu'il est dans l'équipe de Zach Brown, le CEO de McLaren. J'ai trop de rire. Il gagne avec Alonso Mandarin. Incroyable. Allez, une petite dédicace pour Ludovic et sa petite chérie quand on sera au Castellet. Bon, depuis que je lui ai fait découvrir ta chaîne, elle veut te voir un jour. 15h de live. Donc. Il y a Pastor, et oui, Jeff, il y a Pastor. Oui, il y a Pastor. Oui, oui, il va gagner. Que pensez-vous de la déclaration de Lewis Hamilton? Laquelle? Laquelle? Parce qu'il y en a eu plein. Parce qu'Hamilton, il parle beaucoup. Oui, dès qu'il gagne pas, il parle. Pourquoi pas baser l'aéro des futurs sur l'effet de sol? C'est ce que Rosberg avait proposé et... Je suis pas ingénieur, donc j'en sais rien, mais oui. C'est de faire un petit peu comme en IndyCar, en fait. Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça ferait des voitures qui seraient collées au sol, en fait. Ouais, finalement. C'est ça. Vraiment collées. En fait, beaucoup plus d'appui par effet de sol. C'est et ça. Du coup, l'aéro, entre guillemets, les ailerons compteraient moins, et du coup, produiraient moins de dirt air, entre guillemets. Cette année, en Indy, c'est pas glorieux, d'après ce que c'est pas glorieux, ouais. Je me pose une question. Encore une fois, je ne suis pas ingénieur non plus, mais si tu as une voiture qui donc produit plus d'effet de sol, ça veut dire que les virages, elle gère mieux, elle a moins besoin de freiner, donc ça devient finalement plus dur d'attaquer quelqu'un dans un virage. Peut-être, non mais les voitures se suivent mieux, vraisemblablement. Ouais, elles se suivent mieux, mais ce serait plus dur de s'attaquer. Enfin, ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Le pack Aero 2019, c'est une blague. Ah, elles sont moches, putain. Elles sont moches. Elles ont intérêt à faire des courses de folie parce que pour être moche comme ça. Ah ouais, non, mais là on est revenu en 2009 en vrai. C'est insupportable. Ça me dérange pas. Non, mais c'est moche. Ça me dérange pas. Mais allez, mais va. Bah écoute, 2009. Mais ma bite. 2009, t'arrives et tu dis bon, les trois meilleures équipes, c'est Brown, Red Bull, Toyota. Mais c'est pas ça. Bah, ça faisait un changement. Mais parce qu'elles ont le double. Ouais, voilà, ton micro, il a compris. T'as muté, on a rien entendu de la suite. Voilà, chais. Et bah, moi, j'aime bien. Voilà. Qui pourrait remplacer Hartley? Pour tellement de monde. Ouais, à peu près tout le monde sur la grille. Mais en dehors. Qui? Ouais. Vous avez pas vu la FCTS? Qui dit? Marquez. Ah, Marc Marquez. PTDR. Oui. Le pire, c'est qu'il serait prêt à le faire pour une opération de com. Ah ouais, bah pourquoi pas. Alors okay, en vrai, Marc Marquez, il est gentil, il a roulé dans une Red Bull aux couleurs Toro Rosso, hein, évidemment. Bah oui. Pour les sponsors, MDR. Question qui touche. Avec un moteur Renault derrière. Oh là là. Jeff pour remplacer Hartley. Non, faut le laisser tranquille, il est en train de jouer le titre en Formule E. On en parle des hypertentes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la blague des pneus encore. Putain. Hein, on va pas se répéter, quoi. Non, ouais, c'est ça. Des hypertentes qui font 40 tours alors qu'ils devraient en faire 10. Enfin, bref. Qui en hypertente a fait 40 tours? Je sais plus, tu veux que j'aille chercher vraiment. Plein. Parce que... Vraiment que j'aille chercher. Parce que je vois pas qui en hypertente. Je vais chercher. Pour moi, c'était des gens en ultra soft. Ah, écoute, mauvaise nouvelle. Va-t-il finir sa carrière chez Ferrari? Oui. Non. Grosjean? Non, il est en ultra. Alors. Ah, oh my bad, non, je me suis trompé. Voilà. Les ultra soft, ils ont pas fait tant que ça. Ouais. Ils ont fait 23 tours maxi. Voilà. C'est ça. C'est les ultras qui ont tenu la. Parlez pas mal de Marquez. Juste une question. Il y a combien de tours déjà au Canada? 70. C'est bien ce que je pensais. La déclaration de Monaco, elle aurait dû être faite un grand prix après. Ericsson, super soft. C'est 67. Vrai qu'il y avait la Tiffy au Canada en FP1. Ouais, oui. Bah il a pas fait grand chose. C'est la Tiffy, hein, PTDR. Voilà. Le nouveau Stroll. Ouais, exactement. Le nouveau Célis Junior, incroyable. Que pensez-vous des propos de Verstappen face aux caméras et aux nombreux crashs? Je dis, alors, s'il a envie de me. Franchement. Il a raison d'un côté, mais genre, il y a une raison pourquoi il pose ces questions, en fait. Bah, ouais. Si tu veux que les journalistes ne posent pas ce genre de questions, t'arrêtes de faire de la merde et tu te concentres. Exactement. Hein,
Voilà, il faut pas chercher midi à 14h, hein, donc frérot, il veut donner des coups de boule, bon bah pas de problème, hein, on peut rigoler. Hein. Ben non. Moi je suis pas dans le paddock, donc moi je peux, on peut en rigoler. Hein. Tribune Stroll Latifi. Ouais. Boulier fautif chez McLaren, absolument pas. Alors absolument pas, parce que McLaren ça a été un échec avant, ça le sera après. Oui. Il est arrivé quand Boulier? Il est arrivé en 2013, non? 13, voilà. Bah ouais, en fait, il est arrivé à partir du moment où McLaren a commencé. Ouais. Ouais, d'accord, super. Ouais. Mais disons que là où Boulier est fautif, tu pourrais dire que depuis qu'il est là, McLaren n'a jamais réussi à remonter la pente. Et qu'il aide pas à ça. Il est team manager, hein, donc à un moment voilà. Donné... Ouais, pourquoi pas. Enfin... J'ai ouais. Une question sur le Paul Ricard, mais je l'ai perdu. Il y avait les jantes. Ah ouais, les jantes, mais j'ai pas compris cette histoire. En gros, ils veulent refaire les jantes comme en 2014? Non. Pourquoi en 2014? En 2014, c'était toujours du 13 pouces. C'est, hein. C'est du foutage de gueule, je crois. Pourquoi? Parce que. J'ai une photo avec une voiture de Maldonado, je crois que c'est horrible, tard qu'il avait fait. Ils disent, oui, 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 mais parce que ça a été. Oui, ils avaient déjà proposé l'idée en 2014, mais. Parce qu'ils disent qu'ils pourraient demander à Pirelli de faire des pouces. Que demandait Michelin quand il voulait revenir en F1. Oui, c'est ça. Et qu'on ça leur avait dit non. C'est-à-dire que... Enfin, je sais pas, si c'est vrai, c'est quand même du gros foutage de gueule. Oui, bah, c'est la F1, de toute façon. C'est une question de thunes, hein. Pirelli, ils mettent 200 millions chaque année, hein, c'est tout. Il y aura combien de zones de DRS au Castellet? 3? 2? Départ, ligne de départ, ouais, j'en première ligne droite, 3, ouais. Après la chicane, deuxième. Oh là là, mais ça sert à rien de mettre 3 zones, quoi. Ben pourquoi? Bah... Après, faut être couillu hein, pour aller à Signe pour tenter un dépassement avec le DRS ouvert, bonne chance. Bah ouais. Bah tu fais comme Hamilton, tu le désactives manuellement. Exactement. C'est ça. Voilà. Intelligent. Bon. Je crois qu'on a... Maldonado de retour, non. En vrai, le Canada, je sais pas, il y a eu combien de dépassements. Mais il y en a pas eu, je crois que c'est là où il y a eu le moins. On n'a pas eu beaucoup. Hein. Il n'y en a pas eu. Presque pas eu. Il n'y en a presque pas eu. Hein. Franchement. Ça doit être entre Espagne, Monaco et le Canada, du coup. C'est la merde. Formule E. Qui a regardé la Formule E? Enfin, j'ai regardé la Formule E, j'ai juste regardé la course, moi. Moi, j'ai pas regardé. J'ai bien rigolé encore. Ouais, ça se met dans le mur, c'est rigolo. J'ai juste vu, ouais, voilà, dépassement. De Verne quand il met Rosenquist dans le mur. Ouais. Des évolutions prévues pour les top teams France. Mercedes, moteur. Peut-être moteur et je crois aéro aussi, mais je suis pas sûr pour l'aéro. Red Bull, aéro, je sais pas. Et Ferrari, oui, aéro. Ok. Bon, bah sur ce, on va mettre fin à ce petit live qui dure depuis 2 heures maintenant. J'aime bien, à chaque fois on dit 40 minutes. 40 minutes, ça dure pas longtemps. Et en vrai, les Grands Prix où il se passe rien. C'est là où on parle le plus long. En fait. Putain, mais il faut vraiment qu'on arrête de dire de la affolant. Merde. C'est affolant. C'est affolant le nombre de conneries qu'on peut raconter. Bref. Ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, merci d'avoir été présents pour ce live en ce lundi soir. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve au Castellet dans 2 semaines. Exactement. Exactement, avec toute la team, machin. Alors, du coup, au Castellet, malheureusement, on ne fera pas de débrief en live, je pense, parce que ça va être vraiment très compliqué à mettre en place. Mais voilà, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Je vous ferai une vidéo, je pense, pour samedi, j'espère, sur justement un petit peu le programme qu'on va avoir au Castellet pour que vous puissiez nous retrouver assez rapidement. Voilà. Et bien écoutez, bonne nuit à tous et puis bah, bonne semaine aussi. Ciao les gars! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Ta gueule!